Hello. Salut Laurent. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, en forme? Toujours. Bon, on attend du monde ce soir? Oh, pas grand-chose. Il y a combien d'inscrits? Dizaines, je crois, 10 inscrits. Bon, pas plus? Ouais, mais les gens font comme vous, ils attendent le lien et puis ils se connectent quand c'est ouvert, quoi. Ça veut dire qu'il y en a qui balancent le lien. Ben oui, c'est pour ça que je le balance toujours, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui s'inscrivent pas et qui finalement se connectent en ayant le lien, quoi. Après, toi, tu peux avoir les stats sur le Teams, quoi. Ouais, mais c'est quand même mieux de les avoir dans un truc comme Eventbrite ou Meetup, où tu peux les foutre sous le nez du mec qui veut sponsoriser, quoi. Eh Et oui, lui dire que c'est. bah tiens, tu vois, en moyenne j'ai 10, 15, 20 personnes par event, quoi. Ouais, c'est plus facile. Je suis en train de réinstaller mon Home Assistant, mais c'est long, putain. C'est quoi? Ah, mais ah, Home Assistant, De domotique, d'accord. ouais. Bon, alors ton job, t'as trouvé ou pas? Bah, hein? Ton job? Bah, j'attends toujours, hein. J'attends. Ah, de mon job, comment ça? Mon changement de job? Ouais. Oui, non, bah, j'attends des réponses. Ah, ok. J'attends deux, trois réponses. Trois réponses, ouais. Et il te donne ça quand? Tu sais pas? Ben, je sais pas. Non, normalement, Capgemini était censé me répondre vendredi, mais j'ai pas eu de mail. Mais si, ils m'ont pas trop dit quand ils me répondraient, mais je pense que je vais les rappeler. Ah, Médecis, ça me dit, il y en a plein qui bossent chez Médecis. Ah ouais. Ils sont en train d'ouvrir une. Enfin, ils ont déjà un truc sur Strasbourg, Grand Est, région Grand Est, mais ils sont qu'une dizaine de personnes et ils veulent monter en puissance. Qui cherchent du monde pour étoffer l'équipe un peu, quoi. D'accord. Et chez Cap, tu as essayé aussi, non? Capgemini, ouais. Capgemini, j'attendais leur réponse pour vendredi, mais ils m'ont pas répondu. D'accord. Je vais encore attendre un peu, puis après, sinon, je les relancerai. En participant. Ah. J'ai mon Alexa qui me dit que c'est bientôt l'heure de mon meet-up. C'est chiant, je perds la souris quand je passe sur la nouvelle boîte de. Je suis passé sur la dernière version de Windows 11 là et putain, c'est la misère totale. Là, Windows 11, ça marche super bien, hein, arrête! Ah non, mais non, mais non, mais moi j'en suis content. Mais toi par exemple, je suis sur mon Teams là et ben. J'ai mon double écran, ma souris, je la passe bien de l'autre côté. Du moment où je la passe sur l'écran où je te vois, je ne peux pas la mettre en haut, je ne vois rien. En fait, je ne vois que les éléments que je passe qui sont en surbrillance, mais je vois plus ma souris. Mais je suis en version, tu sais, en version preview, je ne sais pas trop quoi aussi, là, donc en public, machin. J'arrive et je vais coucher le petit. Ça parle sur le Discord. Ah, moi, faut que je m'y mette à pester. Je me suis pas du tout mis. Salut Philippe. Yo. Salut. Ça va? Ça va. Bon, bah, je viens d'avoir ma validation pour tester la nouvelle option Power de Shadow. C'est cool ça. Ben ouais. Shadow, c'est quoi? C'est le. C'est. Shadow, c'est le compute dans le cloud, quoi. D'accord. Et t'as eu quoi là, du coup? Bah, t'as une. RTX et un 4 cœurs 8 threads. Bon, c'est bien, et 16 Go de RAM. Cool. Pour 9 euros par mois. Ah, par contre, il faut quand même que t'aies du débit internet, hein, je pense. Bah oui, là, il faut du débit internet. Et ça marche bien? Ah ouais, bah avant, je l'avais testé avec l'option à 19 euros, où là, tu as vraiment une machine de gamer, quoi. Et pour ce que je faisais, c'était trop, parce que moi, je joue de temps en temps à un jeu Steam ou ce genre de truc, quoi.
J'ai pas besoin d'une D'accord. machine à 30 euros par mois. Et là, ils vont lancer une option Power. Donc, il fallait s'inscrire sur une pré-liste et, pour tester, quoi, en bêta-testeur. D'accord. Et tu l'avais à un certain prix par mois. Et quand elle serait publique, l'offre, elle serait un peu plus chère, mais toi, tu garderais ton prix tout le temps, quoi, ton prix de bêta-testeur, quoi. Bon, c'est bien en plus parce que franchement, si tu as du RDNA2. Ouais, par contre, la carte graphique, tu sais pas ce que tu prends. Tu sais pas si tu as une AMD ou Ouais. une RTX. On verra bien. La surprise. Ah ouais, je suis tombé dessus par hasard parce qu'avant j'étais déjà client avec l'option normale. Je connais pas du tout. C'est des trucs que j'utilise pas, ça. C'est pour du gaming. Ouais. Le problème que tu as, c'est que tu rajoutes à la latence naturelle la latence que tu as pour te connecter à la machine, quoi. Ouais, c'est Ouais, mais ça le problème. franchement, je l'ai testé. Ouais, C'est mais ridicule, quoi. ça dépend les jeux auxquels tu joues, des jeux de précision, des jeux de rapidité, macache, quoi. Ah, j'ai demandé à un collègue de tester CSGO. Ouais. Alors lui, c'est un gros gamer, hein. Il a une machine à la maison, il fait du Battlefield et tout machin. Et il dit effectivement, t'as quand même de la latence due aux inputs, quoi. Ah Quand tu bah cliques sur ouais. la souris, ça réagit pas dans le quart de seconde, machin et tout. Mais franchement, faut être un méga gros gamer. Moi, j'ai vu aucune différence. J'ai joué dessus à CSGO, je joue dessus à World of Warship, World of Tank et tout ce truc-là. Franchement, Ouais. tu vois rien du tout. Pour un gamer de mon niveau qui joue 1 heure ou 2 heures par semaine, ça me suffit largement, quoi. Je l'avais acheté avant que ce soit racheté par OVH. Quand ils ont augmenté les prix, je dis non, 30 euros par mois pour une machine dans le cloud, c'est bon, laisse tomber, quoi. Ouais. C'est passé Oui, de ça. 15 à 30 euros, quoi. Mais du coup, tu payes 9 euros? Là, c'était une dizaine d'euros, je crois, là, en mode bêta. Mais là, t'es plus en mode bêta, là. Sur l'option Power, si. Ah. C'est un nouvel truc qu'ils veulent lancer. C'est les machines un peu plus low en capacité. Elles sont un peu plus petites. Ah, ok. Donc, c'est pas forcément pour des gros gamers ou des mecs qui ont besoin des grosses ressources et tout. Hello? Hello! Oh Bonsoir, Nico! bonsoir. Et il a sorti le t-shirt et tout. Keep calm and long power, Charles. Ah, faut le mettre bien droit pour qu'on le voit bien. Voilà. Peut-être prendre un casque parce que je n'entends pas très bien. Et regarde derrière si tu vois bien. Derrière, c'est pas le truc du. On dirait le. Ah non, je crois pas. À droite, c'est le poster de Scriptrunner. Oui, voilà, c'est ça, le poster de Scriptrunner. C'est bien ce qui me semblait. Il fait genre, il en a besoin. Eh, mais il est super ce poster. Hein. Ah, il est énorme. Tu touches de l'argent pour ça. Hein? Tu touches. Ils sont pas sponsors, tu peux l'enlever. Hein. Oh, ça se voit pas dessus. Je vais l'appeler Aiko, je vais lui dire, oh gars, si on met Scriptrunner derrière, on veut être sponsorisé. Hein. Allez. Est-ce que vous Salut m'entendez? François. Ouais, c'est bon. Comment tu veux procéder? T'as des exemples des machins ou tu veux te connecter sur mon script de la dernière fois et faire mumuse Salut, salut. avec? Nico. Et non, figure-toi que j'ai récupéré ta fonction et C'est pareil. j'ai fait des tests. T'es en J'ai fait du standalone, c'est cool. mock. C'est bien. Salut Yann. Plaisir de te voir comme ça. Ouais, mettez les micros, les gars. Franchement, on est à la cool. Hein. J'ai lancé l'enregistrement parce que c'est la première de Nicolas. Mais Ouais, il on faut. verra, si on le garde ou pas. Nicolas? Non, Nicolas, ouais. Si, Nicolas, on va le garder quand même. Sais, pour moi, c'est vendeur. Hein. Quand je vends le groupe, je dis ouais,
On a des éditeurs ENI, on a des machins, vas-y, venez les gars. Ah, j'ai parlé à Florian, tu sais, pour le ce que je t'avais parlé, Laurent. De quoi? IT Connect. Ah oui. Et il m'a dit pas de souci, il m'a dit je regarde, dès que j'ai un Oui, sujet, je reviens vers toi, je super. dis ok, voilà. Donc potentiellement ça fait une autre personne de plus. Parce qu'il y a Damien aussi qui m'a proposé un truc. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, lui. Damien, ouais, c'était sur quoi? Sur son nouvel outil qu'il a fait là. Ah oui, c'est le fixe. Selfix, voilà, c'est ça. C'est intéressant, moi j'ai lu son article en plus, il est cool. Ah, il est bien fait, hein. Ah Tout ouais, en c'est cool son XML. truc. Ah, Tout en XML il est et. sorti son article? Oh non! Si vous l'avez, je suis preneur pour le coup là. Attends, je vais le balancer dans le chat si tu veux. Parce que j'espérais le choper sur Twitter, mais je passe moins de temps sur Twitter en ce moment. Bah ouais, Damien il met tout sur Twitter et sur LinkedIn, hein. Non, mais il a raison, hein. Mais c'est vrai que si tu. En fait, tu passes ta vie sur Twitter et t'as plus le temps de lire des trucs. Enfin, tu passes ton temps à scroller en fait globalement, quoi. Et C'est ça. ah, tu lis moins de c'est le choses, fixe, ouais, quoi. c'est pas mal. Donc du coup, il va peut-être nous faire une présentation dessus. Il va regarder aussi. C'est cool, hein. Non, Et du haut, rassure-toi, Yann, t'étais au bon endroit. ouais, j'étais en train de lire son truc. On n'est pas tous des gros gamers, je te rassure. T'es retourné à Montreuil, François, ou pas? Absolument pas, mec. Oh, Je travaille de la maison 100%, c'est tellement bien. ouais, putain. Bah, faut dire que sur site, tu dois pas avoir grand-chose à faire. Si, Par Venir des manger avec réunions. moi. Bah, surtout en Payer plus une que mon bière. équipe, elle est à Montréal, quoi. Donc globalement, 6000 bornes, je suis tout seul comme un gland, quoi. Hop, j'ai mis le lien, Ah, François. merci Jérôme. Il est en anglais, peut-être. Faut le traduire. Ça va le faire. Petite blague, petite blague. Ouais, de Ouais, toute façon, il va nous faire une petite présentation, ce sera cool. j'espère que tu vas me vendre du rêve avec Buster, hein, Nico, parce que là. Et mais on t'attend tous, mon gars, au tournant. Ouais, Là, tout le monde fait t'es son attendu. intérêt, hein. Et les mecs, on est tous au taquet. Hein. T'as intérêt à être bon. Peut-être falloir que je fasse d'autres exemples. Ah Ouais. Parce qu'avec un, finalement, tu vas peut-être pas t'en sortir. Hein. Ah, un, ça va être compliqué. Là. En plus, j'ai vu ça, tu nous as fait ça en beau notebook et tout. Ouais, j'ai testé. Je me suis dit, tiens, on va faire Bah, je un l'avais déjà fait truc un aussi, un peu. test en notebook pour un meet-up, c'était cool. C'est un peu relou à faire, quoi. Oh, je trouve pas. Bah, l'avantage, c'est que quand tu fais des. Enfin, quand je vois Nico qui fait des formations ou autre, tu peux les réutiliser, c'est super cool, quoi. Bah Une oui. fois que tu l'as Ouais. fait, il est fini. Alors, Ce qui je serait sais pas encore plus si. cool, c'est que tu puisses pousser ce notebook sur un site, sur ton blog ou un machin, et qu'il soit jouable. Ouais, Ouais. alors là, c'est un peu plus Mais bête. si, Avec c'est. Non, non. C'est pas des. Doug. C'est pas Doug qui a fait ça avec un lien. Avec un lien Bitly. Tu le prends et t'as le lien, et en fait, ça te le récupère et ça te le joue dans ton VS Code. Ah ouais? Ah, je crois, Ah hein. ouais. Regarde, Ouais, c'est un j'ai peu vu ça. ça Faut la que je dernière regarde. fois. Ce serait intéressant ça. Si déjà tu te fais chier à faire un notebook pour une présentation, autant le publier, quoi. Attends, GitHub, Ça t'évite de c'est réécrire un article. DJ C'est Dookfink? Fink. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, mais c'est des fous ces Tu peux mecs-là, de les toute façon. partager sur GitHub. Hein. Tu En peux vrai. les mettre sur GitHub. Attends, Ouais, mais ils je sont crois. jouables directement ou tu dois les récupérer? Tu dois forquer le truc chez toi et Attends. lancer. Attends, je Je sais pense plus, je qu'il la faut. cherche. Je pense que tu dois le forker parce qu'il faut quand même un Ouais, je truc pense, pour ouais. l'interpréter. Je pense qu'il faut Attends, le pourquoi clone chez toi en local et le lancer avec VS Code et avoir installé l'option notebook, machin et tout. Enfin. Ah bah oui, forcément, mais. Après, je suis pas sûr que t'as plus besoin d'activer l'option notebook. T'as juste à télécharger les extensions qui vont bien et puis une fois que tu crées le fichier, il lance le truc tout seul. Ouais, Enfin, moi, j'ai ouais, mais pas par eu contre, besoin de me prendre trop la tête. il te faut quand même le point net, hein. Le 6, quoi. Oui. Oui, bah oui, ça. Oui. Voilà. Après, il télécharge les dépendances normales. Je Attends, on l'avais peut voir. testé, puis ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé le notebook. Et là, il a fait un autre truc encore, c'est encore. Enfin, il a fait celui-là récemment, là. Et l'autre, c'était.
Et l'autre, c'était celui-là. Ou en fait, celui-là, tu les as. Tu as juste un truc et après, voilà, tu as un fichier getlink. Regarde. Hop, si vous ouvrez celui-là, ça c'est juste le nom de son fichier. Et en fait, il les récupère. Et en fait, avec VS Code, et ben, tu exécutes juste ce fichier et ça te permet de récupérer tous les liens de son truc à lui et de son dépôt. D'accord. Ouais. Ça reste quand Après, tu même vas passer en mode Microsoft Learn, et puis tu vas générer automatiquement des machines sur Azure. Et Bah puis, oui, c'est ça. ça les commande. Enfin, juste appuyer sur le bouton, ça va se lancer tout seul dans la console qui est à côté. Ouais. J'ai cherché pour contribuer à Microsoft Learn, j'ai pas trouvé encore. Faut que je demande. C'est intéressant, je pense. De faire des cours, Ouais, ou de enfin, de rédiger participer. des. Ouais, de participer. Ou participer. Mais même celui-là, il est pas mal, hein. Son Ouais. PowerShell Notebook de Doug. Et Mais il y a pas mal. il a fait la deuxième branche où il a rajouté des extras. Dedans, il a rajouté tout ce qui est JSON, les classes. Les API, les tuples, enfin les URL, les pasteurs justement. Donc toi, il y en a sur pasteur. Mais bon, il n'y a pas grand-chose sur pasteur. Il montre juste. Ouais, regarde. Après, tu vois, je ne suis pas sûr que j'utiliserai des notebooks pendant les formations. Parce que bah, d'une part, tu ne peux pas le passer aux utilisateurs. Enfin, c'est compliqué si tu veux. Le gars qui a jamais fait de notebook, Ouais, mais c'est pas si, intuitif, hein. si leur poste est déjà fait, enfin si leur VS Code est déjà tout préparé avec tout ce qu'il faut. Ouais. Après, l'objectif, c'est quand même qu'une fois que la formation est finie, ils aient un support, si tu veux. Puisse partir Tu dois quand avec. même, voilà, tu dois quand même faire un support, un Oui. PowerPoint. Et le truc, c'est que si tu fais le PowerPoint, mais que tu ne fais pas la formation avec le PowerPoint, quand ils vont revenir sur le PowerPoint, enfin, quand ils Oui. vont essayer de le consulter, ils vont pas matcher avec la formation que tu leur as donnée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Autant sur des prés ou des talks comme ça peut être intéressant. Autant sur des formations, je suis pas sûr. Bon bah je pense que je Déjà vais y aller que tranquillou. ils prennent sacrément cher pendant les formations. Je viens de voir que je pouvais pas partager mon écran. Tu n'es pas présentateur. Non. Comment se fait-ce? En plus, je t'ai invité exprès dans Pourquoi les je fais trucs pour ça? te dire. Je t'ai exprès invité nominativement dans le rendez-vous pour que tu sois présentateur par défaut, quoi. Voilà, c'est On chose dirait faite. que... Ah, yes, c'est bon. So. Tac. Ça, on va fermer. Hop. Là, j'ai le pester. Je vais la basculer ici. Salut. Hop. Salut. Hello. Salut. Sur un écran plus grand. Je vais avoir la tête de côté parce que je regarde sur l'écran plus grand. On n'est pas grand monde, on est 6. Ouais, c'est bien. C'est Je intime. Mettez les micros, mettez les webcams, les gars. Faites-vous plaisir. Et bombardez-le de questions surtout. Donc, Pester, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous savez à peu près à quoi ça sert. Pour ceux qui ne savent pas, l'idée de Pester, c'est de fournir un framework de test avec une écriture qu'on va dire DSL. L'idée, c'est de donner un contexte au script Pester et de lui faire exécuter des commandes qu'on a écrites. Et derrière, en fonction du résultat ou du comportement de la commande, de valider ou non, d'une part, le résultat,
et d'autre part son comportement. Alors, la demande classique quand tu présentes ton VS Code, est-ce que tu peux zoomer un peu, quoi? Je vois pas la conversation. Il y a des gens, mais c'est, j'ai vraiment un petit écran là. Il y a des vieux qui n'ont pas leurs lunettes, quoi. En plus, le zoom sous VS Code, il est pas. View. Zoom. On passe en bas. Full screen déjà. Non, il veut pas. Vire ton Explorer à gauche. Déjà, ouais. Vire aussi l'Explorer pour gagner un peu de place, à moins que tu en aies besoin. Mais... Là. Il m'embête ce truc. Comment niquer une démo en une question. Voilà, et j'avais dit de poser des questions sur. Contrôle plus égal. Ouais, non, bah, descend. Ouais, descend. Impec. Ouais. Voilà. Merci. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, ouais. Pester, l'idée, c'est de potentiellement. Tester votre code en fonction de certaines situations, de certains contextes, et de valider que vous n'avez pas de régression lorsque vous modifiez votre code. Et la notion de régression va être importante dans le mocking, parce que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on moquerait quelque chose qui n'existe pas. Et donc, pour s'échauffer un peu, j'ai écrit un petit texte pester. Voilà, donc sur un module que j'ai écrit. L'idée, c'est de valider que la fonction convertMailToIDUser fonctionne comme on l'attend. Donc, dans le premier cas, on va créer un bloc describe qui va être la base de l'architecture Pester. Et dedans, on va lui donner plusieurs contextes. Le premier contexte, et le seul que je vais faire pour cette commande-là, sur ce test-là, c'est déjà, est-ce que ma commande génère une erreur ou pas? Et le deuxième test, c'est est-ce que ma commande renvoie le bon résultat. Pour la petite explication, vous avez le bug contexte que vous allez pouvoir mettre plusieurs fois, qui va définir un contexte global sur les différents tests, qui vont suivre. Et donc là, mon contexte, c'est quand les valeurs sont bonnes. C'est-à-dire que quand je donne une bonne valeur à ma commande, il faut d'une part qu'elle ne génère pas d'erreur et deuxièmement qu'elle retourne les bonnes valeurs. Donc pour utiliser Pester, on a de la commande invoke Pester. On lui donne à manger le script Pester. Et derrière, on obtient le résultat. Alors, pour la petite explication, le output détail, ça permet d'avoir ceci. Parce que par défaut, depuis Pester 5, il ne le renvoie pas. Et le tag filter 1, ça me permet de cibler simplement ce bloc describe là dans ce test-là, pour ne pas faire le reste. Donc là, en fait, ma commande, elle utilise une expression régulière. Il fallait bien que j'en place une ce soir, sinon c'est pas drôle. Obligatoire. Et donc l'idée, c'est de récupérer la première partie et la deuxième partie de mon adresse mail pour la basculer en résultat. Et donc normalement, si je donne ça à ma commande, d'une part, elle ne génère pas d'erreur, et ensuite, elle me sort ce résultat-là. On voit ici que c'est bien le cas, parce que mon test Pester n'a pas généré de résultat. Si jamais je change pour Y raison, ici, le test, j'enlève le S à Nicolas.
Eh ben, mon test n'est plus bon parce que la valeur qui est retournée n'est plus bonne. L'idée, c'est une fois que le test est écrit, et plus tard, quand on y revient 6 mois après sur le développement de la commande, c'est de se dire, bah, si je modifie l'expression régulière, est-ce que ça va potentiellement faire une régression au niveau de mon code, notamment au niveau du code que j'ai déjà écrit. Donc là, évidemment, il va me renvoyer une erreur parce que il ne matche plus la chaîne de caractères, vu que j'ai retiré le A de Acalia. Donc les tests testeurs, notamment les tests unitaires, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour dire, bah voilà, dans un contexte bien précis, ma commande se comporte de cette manière-là. Si jamais je modifie ma commande, est-ce que ces tests unitaires sont toujours valables ou pas? Est-ce que j'ai une régression dans mon code ou un gros changement? Et dans ce cas-là, il va falloir que je revoie les méthodes d'utilisation de ma commande. Autre petit truc sympa avec Tester, c'est qu'on peut faire des test cases. Au sens où je n'ai pas besoin de faire 25 000 blocs contexte pour tester 25 000 fois le truc. Je peux faire donc un tableau avec des test cases à l'intérieur, où dedans je lui donne des hashtags. Et ces hashtags vont avoir des clés et des valeurs que j'ai moi-même définies. Et ça va être mon jeu de test en fait. Donc là, on retrouve l'adresse mail que j'ai au-dessus et l'ID que la commande est censée générer. Ce test case, je vais le donner à manger à mon contexte sur le paramètre forEach du contexte. Et à partir des hashtables de mon test case, Pester va générer des variables. Le nom de la variable, c'est la clé. Et la valeur de la variable, c'est la valeur de la clé. Petit truc sympa, c'est que dans les entêtes des blocs Pester, notamment context et it, on peut identifier les éléments de mon test case à l'aide des chevrons. Et dedans, on met la valeur de la clé et Pester va s'occuper de substituer cette valeur lorsqu'il va exécuter les tests. Donc là, j'exécute le describe qui est ici. Voilà. Donc on voit bien qu'il a fait le premier contexte, le deuxième, le troisième. Et là, on voit bien que dans l'entête du it, il a bien remplacé le chevron mail par la valeur. Alors après, je peux aussi placer les chevrons ici, directement sur le contexte. Voilà. Et il va le substituer directement dans l'entête. Donc là, l'idée, c'est vraiment des tests, on va dire basiques, parce que ma commande, finalement, elle n'appelle pas d'autres commandes, elle fait son traitement à elle toute seule derrière, et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, personnellement, quand je développe des scripts, voire même des modules, j'essaie de rendre le code le plus atomique possible, dans le sens où je vais réaliser une action avec une fonction. De cette manière-là, je vais pouvoir tester ma fonction de manière unitaire, c'est-à-dire de manière très centralisée, pour valider son fonctionnement avec les test cases. Même si la fonction n'est appelée qu'une seule fois dans le script,
c'est pas grave, ça me permet de vraiment tester que cette fonction-là. Et dans le cas où j'ai une commande qui appelle d'autres commandes, notamment ta commande Laurent avec le update à des groupes, eh bien je vais utiliser ce qu'on appelle le mocking. Le mocking, ça vous permet de créer un environnement, on va dire, simulé. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les commandes sur votre poste, ou vous les avez, mais vous ne voulez pas faire de modifications en production. Ce qui est tout à fait normal. Et donc l'idée, c'est de substituer l'appel de la vraie commande par quelque chose de faux qu'on a créé nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais oui, mais quel intérêt? Parce que si on sait ce qu'il y a derrière, oui, bah, on s'attend forcément au résultat. Il fallait dire qu'il fallait dialogue, il fallait m'envoyer le... Je sais, parce que tu me l'as déjà dit. Tu m'as déjà fait la réflexion. C'est exactement ce problème que j'ai, moi. C'est à quoi ça sert, puisque de toute façon, je lui envoie ce que je veux en retour. Donc, je suis sûr d'avoir ce que j'ai demandé, quoi. Enfin... Eh bien, là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que... Alors, pour montrer un peu ta fonction... Voilà, donc ça, c'est la fonction de Laurent. Je suis désolé, j'ai le droit de la montrer? Oui, bah, je l'avais montré au... On l'avait utilisé pendant le code review, de toute façon. Ok. Alors, sur la commande de Laurent, on est sur une commande avancée avec la commande netbinding. Elle a des paramètres. Et cette commande va lui permettre de mettre à jour des groupes en recherchant l'utilisateur dans l'AD. Donc, elle va faire ici un get à des users, et en fonction de l'action qui est passée sur le paramètre, elle va soit ajouter soit supprimer l'utilisateur. Maintenant, pour tester sa fonction de manière unitaire, c'est-à-dire dans un environnement bien précis avec des cas qu'on a décidé de faire, on va moquer et donc simuler le retour de la commande getAddUser, et surtout moquer ces deux commandes-là pour pas qu'elles réalisent des actions en fait, sur un environnement soit de production, soit de développement, de pré-prod, etc. L'idée là, sur les tests unitaires, c'est vraiment de faire du local, c'est-à-dire sur votre poste, limite vous n'avez même pas accès au réseau, et c'est vraiment pour tester le comportement de la fonction. C'est-à-dire que si mon getAddUser renvoie tel élément, bah, il faut que ma fonction réagisse de telle manière. Hop. Exemple avec le test pester. Donc toujours avec le describe, le contexte. Et donc dans le contexte, on va utiliser un bloc qui s'appelle before all. C'est un bloc qui va s'exécuter avant tout le reste. Et dans ce bloc, on va définir les mocks. Donc là, le mock, c'est quand j'appelle getAddUser, il faut qu'il remplace l'appel de getAddUser par cet objet-là. C'est-à-dire que quand Pester va tomber sur getAddUser, il va remplacer getAddUser par la valeur que je lui donne. Et de cette manière, je ne vais pas aller interroger l'AD, mais je vais quand même pouvoir continuer à dérouler ma fonction, parce qu'elle a un résultat. Tu veux dire la sortie de getAddUser? Oui, la sortie de getAddUser. Et l'idée derrière, c'est de moquer l'AD group member aussi bien en add qu'en remove. Pourquoi? Parce que je veux être sûr que quand je fais un add, eh bien, je n'ai pas le remove qui est appelé. Et là, donc tu là, les moques avec rien, en fait. C'est ça. Je les moque avec absolument rien, mais je les moque quand même
Parce que si je ne les moque pas, Pester ne sera pas capable de vérifier qu'ils ont été appelés. Enfin, qu'elles ont été appelées. Et combien de fois elles ont été appelées. Bah, et potentiellement, tu peux peut-être aussi, du coup, faire des choses en prod. C'est à ce moment-là où ça peut écrire, non? Ouais. Si tu ne moques pas. Exactement. Oui, parce que tu vas appeler ta fonction pour tester, puis tu vas balancer dedans, quoi. C'est ça. C'est ça. Et, l'idée derrière ça, c'est que je vais pouvoir créer des contextes différents. Je vais pouvoir simuler des contextes différents, notamment avec des générations d'erreurs sur GitHub des users, pour voir si potentiellement ma commande réagit de la bonne manière. Enfin, qu'elle emprunte le chemin que je veux. Et pas qu'elle fasse n'importe quoi. Exactement, Yann. Plus tu es modulaire, plus tu peux contrôler les appels de fonctions. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des fonctions qui sont trop grosses, de manière à ne pas aller chercher trop d'autres commandes qui pourraient faire des modifications, des suppressions, etc. Plus tu vas être fin sur tes fonctions, plus ce sera facile de faire des tests unitaires. Et donc là, ici, sur le deuxième contexte, je teste une suppression. C'est-à-dire que lorsque je fais action delete, je veux que le getAddUser soit appelé une fois, que la valeur soit remplacée par ça, et que mon removeAddUser, addGroupMember, pardon, soit appelé une fois, et le addGroupMember soit appelé zéro fois. Mais non, faut pas. Alors et après, c'est un de mes scripts. Alors il est pas super bien non plus. C'est bon, t'as pas d'honte à avoir, Antoine. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. On a tous commencé quelque part. Et après, là, c'est une écriture qui est assez simpliste entre guillemets. On peut aller beaucoup plus loin sur le mocking dans le sens où sur les commandes mock, on peut passer des paramètres filter, c'est-à-dire que Pester va tester que les valeurs qui sont passées sur les paramètres de la fonction sont bons. Et donc, on va pouvoir décliner énormément de scénarios à partir de là. Dans le sens où, je ne sais pas si mon getAddUser envoie plusieurs valeurs, eh ben, il faut que mon addGroupMember, par exemple, ou mon removeAddGroupMember reçoivent plusieurs valeurs. Pardon. Et si jamais ce n'est pas le cas, et ben Pester ne moquera pas la commande et vous ne pourrez pas valider ce test. Voire même, ça générera une erreur parce que le remove à des users, il n'a pas fonctionné. Et l'idée ensuite, une fois que vous avez écrit votre fonction, que vous avez fait vos premiers tests Pester, etc., c'est qu'une fois que le script est en production, quand vous rencontrez un bug sur votre script ou sur votre fonction, eh bien, c'est d'écrire le test Pester unitaire qui va reproduire ce bug en moquant justement les commandes avec les retours qui vous ont posé problème. Et derrière, de chercher à résoudre ce test Pester en modifiant votre commande sans pour autant péter les autres tests Pester que vous avez déjà écrits. Ça y est, il va commencer à nous parler de TDD et tout. Mais l'idée, c'est mais ça. Je sais, mais je sais pourquoi, en fait, j'avais pas compris. Parce que moi, j'allais plus loin que toi. C'est que j'essayais de moquer remove à des groupes members pour qui me renvoie un truc que j'attends, quoi. Enfin, pour tester la fonction remove à des groupes members, pour la valider, quoi. Donc, en fait, j'essaie de valider une fonction qui est interne déjà au système, quoi. Voilà. Et en fait, qui sert à rien, en fait. Ce qui sert à rien. C'est pour ça que j'allais trop loin. Moi, j'essayais de moquer ça. C'est pour ça que je bloquais. Ouais. Eh ben, non, il faut pas. Cette histoire de... ouais. Il faut vraiment rester dans le... Et c'est ce que j'ai vu dans la vidéo de Yacoub que tu m'avais filé, du coup, où il disait, mais non, mais ça sert à rien d'essayer de moquer et de valider une fonction qui existe, qui est faite par
qui est là, quoi. Elle existe, elle est déjà testée elle-même, donc c'est pas la peine de la retester, quoi. Ouais, et c'est ce qui est marqué justement dans la doc pester au niveau du mocking, c'est ça sert à rien de tester une commande déjà que vous n'avez pas écrite, parce que c'est pas à vous de la tester. Oui, ouais, ouais. Et en plus de ça, ça vous rajoute du taf, alors que bon, on est assez comme ça. Hein. Oui, oui, mais voilà, du coup, moi j'essaie de valider que le remove à des group members se passerait bien, quoi. Et ça, c'est pas mon boulot. Ma fonction fonctionne. Après, derrière, si ça marche pas, c'est que c'est pas ton problème. Quoi. Enfin, c'est pas exactement. En fait, ce qu'il faut que tu testes, c'est vraiment la logique de ta fonction. C'est qu'elle aille là où tu veux. Et qu'elle réagisse de la manière que tu le souhaites. En fonction des différents contextes que tu lui donnes. Il y a François qui demande si tu peux pas faire un en live comme ça, il te chauffe. Un exemple avec ParamFilter. Quoi. Justement, ParamFilter, est-ce non, que... Non, non, non. J'ai essayé justement de le mettre, mais Teams, comme d'habitude, c'est de la merde. Arrête, j'essaye. C'est juste pas l'utiliser. En fait, ouais, c'est possible ça. Et du coup, je vais te donner un exemple un peu plus où j'utilise ça avec Invoke-REST Method pour donner du contexte à ce que disait Nico. Ouais, du coup, si par je contre, c'est absolument dégueulasse sur Teams, donc faire un copier-coller. Mais non, mais c'est juste que c'est pas du Markdown. Tu mets des cotes en partout là. Je supporte pas Teams, désolé. Sur Discord. Dans Teams, quand tu veux rajouter du code, il y a un module code. Sur Discord. Non, sur Teams. Voilà. Allez, c'est mis sur Discord. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Voilà. T'as le mock avec. En plus, t'as mis le module. J'étais obligé. C'est pour ça que je voudrais voir ça avec toi après. Ouais, je pense que c'est à cause du scope. Ouais. Invoke REST method. Donc là, tu moques le invoke REST method et tu fais un param filter. Donc URI, c'est le paramètre d'invoke REST method. Et donc, il doit être égal à ça. Enfin, il doit être en beau, like. Je l'ai fait en beau, même en PowerShell avec la couleur et tout. Voilà. La méthode doit être get. Le header étoile. Dit nul, erreur action, etc. etc. Ouais, et tu moques l'ensemble avec ça. Ok. Donc là, tu as ton mock ne fonctionnera que si tu passes tous ces paramètres là, quoi. Exactement. C'est ça. Sachant que bon, c'est quand même assez permis. Et du coup, tu dois passer un paramètre URI et il faut que le paramètre URI soit étoile, quoi. Ouais, alors pas là, forcément juste qu'il soit présent. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est qu'après, on peut faire les test cases pour aller un peu plus loin. C'est ça, exactement. Oui, oui, non, mais c'est. Là, déjà, je voulais faire parcher mon bordel parce que ça faisait 8 heures que je pleurais du sang. C'était sur celui-là. Ouais, c'était sur celui-là. Bah, c'est un de ces exemples, ouais, c'est ça. Si on prend l'exemple de la commande de Laurent, par exemple, attends que je regarde comment tu l'as écrite. Il est où le module ? Il est là. Hop. Tu fais le remove et tu fais du splatting. Et, ouais, il est juste au-dessus. Il y a un member, il y a une identity. Ouais. Et member, donc en fait. C'est le sum account name. Identity, c'est le nom du groupe. Hop là. Équivalent à. Bah, du coup, toi, c'est ton mock, du coup, là. C'est ça ? Ouais. Nicolas Baudin et and. Et l'idée, c'est identity. C'est ton groupe que tu as, toi, test pester, là. C'est ça. Putain, ça y est, j'ai compris. C'est bon, on arrête tout. Sinon, c'est bon, on arrête, c'est fini, les gars. En fait, c'était juste pour moi, cette vidéo. C'est bon, ciao. Et donc là, oui, j'ai compris le principe en plus, parce qu'après, tu refais un autre contexte où tu envoies, tu moques en envoyant une info qui serait fausse, pour voir comment se comporte la... Comme ça, tu testes quand tu as un username qui est bon et quand tu as un username qui n'est pas bon. Un sum account name, c'est ça ? C'est ça. Alors, attends. Il doit te manquer des paramètres, je pense, encore. Hein. Tac. Tac. Attends, je vais déjà tester sans le paramètre filter, histoire de voir si je l'ai bien écrit. Ouais, donc c'est bien le paramètre filter. Hop. Et donc, paramètre filter members, Nicolas, identity, test pester. Je sais pas ce qu'il aime pas.
T'es obligé de mettre tous les paramètres ou tu... Non, non, non. Eh ben, je suis pas sûr justement de ça, Nico. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais mis, par exemple, dans mes invoke rest method, j'avais mis l'error action à stop et je l'avais pas mis en fait dans mon paramètre filter et j'ai l'impression qu'il voulait pas passer en fait. D'où le étoile. D'où le étoile au bout d'un moment. Ouais. Tu veux un error action, mets ce que tu veux, mais mets-moi une error action. Les mecs. Ah ouais, il veut tout, tout, tout. Ouais, il faut tout mettre, il faut. Ah, c'est bon, non, mais c'est bon, on a compris le principe. Ah, mais c'est contraignant, du coup. Eh ben, c'est ça, c'est hyper relou. Et c'est ça. Bah, remonter à Yacoub et prochaine mise à jour, hop. Ça doit être tellement violent le code. Mais tu es obligé de mettre que les paramètres que tu passes à la commande lettre, c'est-à-dire que tu passes pas ceux qui sont pas spécifiés. Il semblerait. Tu es obligé d'a priori de les passer même s'ils sont par défaut, quoi. Ouais. J'ai l'impression. Non, enfin, moi j'ai passé. Non, alors, c'est pas, c'est pas que Nicolas. Je mettais dans la commande lettre pour le coup. Identity, c'est pas Nicolas, c'est Testpester. Autant pour moi. Je pense qu'il faut passer le confirm, il faut passer le. Moi, je pense passer l'action. Non, bah, si tu passes ça dans ta commande quand tu l'appelles, moi, pour moi, il faut le passer. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est là la blague, en fait, c'est que tu es obligé de faire du run debug après pour voir justement dans ta fonction ta commande remove ou add, la commande remove ou add à des groupes member, elle prend juste un member et une entity, quoi. C'est ma fonction à moi qui prend action, confirm. Mais... Parce que là, tu fais du splatter de paramètres. Voilà, t'as l'erreur action stop. Tu vois, il y a un error action dedans aussi, ça se trouve, c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est comme pour François, il faut mettre error action égale étoile, quoi. Ah, ça va. Ah, mais ça marche, hein. Moi, je prends. Hein. Moi, je fous member like étoile, identity like étoile, action égale étoile, t'es tranquille. Hein. Bah, si tu mets error action égale stop, regarde ce que ça fait, là. Oui, alors, pourquoi j'ai mis un égale, là ? N'importe quoi. La journée était longue. Parce qu'après, il ne doit pas y avoir que ça. Hein. En fait, toi, tu fais un like étoile ou égal étoile. Et puis... Non, j'aime bien les choses précises. Non, je pense qu'il attend tous les paramètres de la fonction. Ouais, je pense aussi. Enable to find the default server with Active Directory. Ah, il y a qui arrive. Tac, tac, tac. Hop. En fait, j'ai l'impression que tu passes dans... Oui, tu passes dans mon try-catch et puis tu... Parce que là, sur le splat, tu passes le member, l'identity et tu passes le error action. Les credentials, s'il y en a. Et les credentials, si... Non, je ne les ai pas spécifiés dans le commande, donc normalement, non, il n'est pas censé passer dessus. Mais t'as pas besoin de credentials ? C'est juste pour quand tu... Oui, mais quand tu fais un remove à des groupes members avec, à partir d'un PC sur lequel tu es un conducteur standard... Ah, je suis d'accord, oui. Si tu veux te connecter au serveur AD et faire la manip, bah, il faut les credentials, quoi. C'est la question qu'on avait la dernière fois, je crois que tu n'étais pas là sur le code review. Où, moi, j'essaie toujours de mettre en fait un paramètre à des serveurs et credentials, quoi, quand je fais mes trucs. Parce que je me dis toujours qu'à un moment donné, tu le lanceras peut-être sur une machine qui n'a pas forcément les droits d'admin. Et quand tu veux le faire, c'est chiant, quoi. Là, c'est vrai que je me casse toujours le cul à essayer de mettre au moins le serveur AD et les credentials pour s'y connecter, quoi. Je trouve que c'est un bug de En fait, il essaie de faire le remove AD, mais comme il n'y arrive pas, il fait le catch derrière et il dit qu'il ne trouve pas le serveur AD. Quoi. Donc, le mocking de la fonction avec test paramètre, en fait. Tu vois, c'est ça, mon souci. Oui, le mocking passe pas. Exécute parce que le mocking passe pas. Et c'est pour ça que ça fait un peu chier, quand même, par moment. Je te dis, tu tires la prise Ethernet de ton PC. C'était sûr de ne pas faire de colère.
Alors, au passage, vous remarquerez, ceux qui ont fait le code review, que j'ai pris vos remarques en compte et que j'ai corrigé mon code en conséquence. Hein. Par contre, ce que tu peux faire, Nico, là, c'est tu peux lancer, tu mets un point d'arrêt sur la fonction. Parce que j'ai fini par découvrir des choses, hein, quand même, à force de me casser les dents là-dessus. Là. Tu mets un breakpoint sur la ligne que tu veux tester. Tu passes en debug, ouais. Tu t'arrêtes dessus, là tu fais un F11 et tu rentres dans la boucle. Et une fois que ouais. Tu es rentré dans la fonction, là tu exécutes en fait tes mocks et tu vois ce qui passe pas, et il te détaille en fait, comme tu es en mode debug, il te détaille tout. Et ça t'aide un peu à comprendre pourquoi ça part en cacahuète en fait. Tu la places ici sur le script Presta? Ouais, au moment en fait où tu veux vraiment exécuter, ouais, bah, par exemple ici sur l'update, là tu passes en mode debug. Donc moi je clique sur le bouton run debug ou un truc comme ça là. C'est dans le directement dans la console. Monte au niveau de ton contexte, un peu au-dessus. Nous, ça marche. Là, t'es en debug. Ouais. Ça marche, ok. Et là, tu fais le F11 pour rentrer dedans. Oh putain, ah ouais, non, mais là, t'es parti dans Fester par contre. Et là, t'es parti dans Fester. Non, c'est F10. C'est F10. Et c'est quand t'arrives à ton point d'arrêt que tu fais F9. Qui voulait voir le code de Pester avant? Pardon. Ouais, c'est peut-être plus ça, ouais. Ouais, parce que là, et on là, est reparti peut-être... dans Pester. Ouais, là, ça ouais. A piqué, là. Non, mais je pense que le point d'arrêt, il est peut-être pas au bon endroit. Ouais. Non, non, c'est, ouais. C'est peut-être ça, ouais. Non, non, mais le point d'arrêt, ouais, est... Non, le point d'arrêt, c'est ligne 39 qu'il faut le mettre. C'est sur le mock. Bah oui, c'est sur le mock. Non, c'est le mock qui nous renvoie l'erreur. Non, non, c'est... je pense pas que ce soit sur le mock, justement. Parce que là, le mock, c'est pas le mock qui te renvoie une erreur, c'est qu'il exécute ta fonction. Non, c'est... Ouais, donc c'est réellement sur ta fonction. Sauf que là, ah, passe ouais. En mode rogue debug. Et quand il fait de l'update group, c'est là où il faut rentrer dedans pour aller dans le code de ta update group. Enfin, update à tes groupes. Et là, une fois que tu es rentré dedans, là, tu peux simuler tes mocks. En fait, tu exécutes tes fonctions à l'intérieur. Et tu vois si tes mocks sont retournés. Et surtout, lui va te dire, ah bah tiens, t'as oublié ce paramètre. Enfin, étant donné qu'il n'y a pas le paramètre X. Du coup, ouais. J'exécute la vraie fonction, tu vois. Okay. Mmh. On a perturbé Nicolas. Attends. Et maintenant, il va pas dormir à cause de vous, quoi. Il va passer la nuit dessus, quoi. Et 43. Ouais. Ouais, ça va être la ligne 43 de la console. La fonction. Non mais attends. Attends. Tu moques le update, tu moques quoi, la vraie mémoire? Le remove. Ouais, d'accord. Parce qu'il prend pas le remove. Non, dans mon truc, j'ai identity. Faut que je reprenne tous les yeux. Après, il y a peut-être un bug sur la version de Pester. Hein. Il me semble pas que tu es obligé de mettre. Il me semblait pas que tu étais obligé de mettre l'ensemble des paramètres pour tester. Faudrait essayer sur une version précédente. Ouais. Alors tu vas être emmerdé avec les moins. Ouais, dans mon paramètre, sur mon remove, j'utilise le error action, le members et l'identity. Attends, c'est members. T'as mis le members ou member? Non, t'as mis members. Parce que je me suis déjà fait avoir aussi. C'est pas la casse. Mettre member au lieu de member, c'est... C'est pas une histoire de casse, quand même. Genre non, member, pour moi, il est pas... Pour moi, il est pas sensible à la casse. Hein. Non, toute logique. Non, par contre, c'est moi ou juste une chose, les noms des paramètres, tu les marques comme étant une variable? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est marqué comme ça dans la doc. Non, mais c'était juste... Tac. Ouais, alors là, je... Ouais, parce que à part ça... Et faut pas que tu spécifies, Nico, le tiret module. Ou tu l'as peut-être fait, comme j'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Si ça change quelque chose. Non. Parce qu'après, je suis dans un. Ah, t'es fait un. Modus scope. Ok. Donc, normalement, je suis déjà dedans. Ah, bah, tu vois.
Et question, tes mocks, là, tu peux pas les mettre au début de ton contexte, t'es obligé de les répéter à chaque fois? Dans un before all? Alors. Là, ils sont dans un before all. Ouais, mais tu peux pas les mettre en global, parce que je me rappelle qu'avant, il me semble que tu pouvais mettre des trucs avant le contexte. C'est juste en dessous le describe pour pas avoir à répéter les trucs, quoi. Attends, juste avant le contexte. En version 4, hein, je te parle. Dans le describe, directement en dessous le describe. Ouais. Comme ça, c'est en fait, c'est global à tous les contextes. Tu peux. Parce que là, mais tu l'as répété deux ou trois fois, je sais plus. Quatre fois même. Tu vois, ton mock get à des users, ton mock get à des users, là. Ouais, parce qu'il le teste dans deux cas. Effectivement, si tu dois tester 4, 5 cas différents, il vaut mieux le moquer dans le describe. Ah oui, non, mais on est d'accord. Mais après, tu vas avoir une notion before each. Non, tu vas avoir une notion de should. Dans le sens où, en fonction de là où tu places ton should, tu vas pouvoir tester différents scopes. Différents scopes, pardon. Sur le mock. Par exemple, là, je teste le should dans le bloc it, mais je pourrais faire un after all et faire un should sur la portée contexte et dire bah, sur l'ensemble du contexte, mon mock get at the user a été appelé au total 4 fois. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en lisant la documentation. Je crois que c'est le seul à avoir lu la documentation tester. Ouais, je pense que. J'avoue, ce truc-là, je ne l'ai pas testé, mais il y a un. Mais je crois que, je crois que c'est comme ça. Ouais, je crois que j'ai lu ça aussi. Dans le livre Pester, là, de je ne sais plus qui. Adam Bertrand. Le Pester que j'ai acheté. Adam, c'est ça. Je crois qu'il explique ça comme ça aussi. Ouais. Et c'est encore plus vrai avec la version 5. Et je sais plus où je l'ai vu dans la doc. Tac, tac, tac. Mock. Ah, c'est chiant, tu trouves des trucs dans les documentations. T'es là, c'est super top tout. Au moment où tu veux retomber dessus, c'est là où tu galères. Mocking, ça va être là-dedans. Mock, oui, paramètre filter not being called. Ouais, je suis tombé exactement sur ton truc. Sur Stack Overflow. Ah ouais? Enfin, un truc qui ressemble en tout cas. Tac. Je vais retrouver. Ah là. Continue mock depend on placement. Et en gros, en fonction de là où tu moques ta fonction, bah, la manière dont tu vas vérifier le mocking dépendra de là où tu places ton should. Genre ici, tu peux même modifier la portée de l'assertion, dans le sens où elle est appelée 3 fois dans l'ensemble du bloc describe. 1, 2, 3. Et ici, le after each, il a une portée de hit, c'est-à-dire qu'elle est exécutée après chaque hit, et donc il va tester l'assertion dans le bloc hit, pas sur l'ensemble du bloc describe. Par contre, le after all, lui, il va tester l'assertion, le mocking, sur l'ensemble du bloc describe. Après les 3 hits. Voilà. Bon, je te pique la main 2 secondes. Je vais partager mon écran. J'ai trouvé un truc, je crois, sur. Vas-y. Raté. C'est mauvais écran. Hop. Regarde. Mock with parameter sur filter not being called. Ça ressemble à peu près à ce qu'on a. Sans les paramètres filter, ça marche. Dès qu'il met les paramètres filter, ça marche plus, quoi. Ouais. Lui, il fait de get à des computers, mais ça a l'air de la même chose. Et il semblerait que ce soit un truc dû à l'objet. C'était il y a 4 ans, ça, c'était encore en Pester 4. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, essaye de voir dans ce sens-là, Ragan. Il inverse en fait la variable et la valeur qu'elle doit prendre juste. Ah ouais.
Même si c'est il y a 4 ans en mauvaise langue. Attends. J'ai une histoire de type d'objet, quoi. Vas-y, tu peux reprendre la main, c'est bon. C'est cet écran-là. Hop. Si c'est une histoire de type d'objet. Hop. On peut s'amuser à faire ça. Effectivement, voir si ça fonctionne. Je pense que c'est plus juste pour le type justement members quoi. Voilà, ça passe. Hey, c'était bien il y a joué, 4 ans, Laurent. Mais ça marche encore. Hein. The fuck. Moi, mon boulot, c'est de savoir utiliser Google, les gars. Stack Overflow, ils ont mes favoris. 80% de mes 80% de mon boulot, c'est de trouver des infos sur Google. Oh, mais c'est ouf là quand même. Ok. Et je peux vous mettre le lien de truc hein, si vous voulez pour lire Vas-y, l'article, ouais, mais enfin, balance, c'est juste. Ouais. Enfin, c'est non, mais c'est au moins pour que je le retrouve. Ouais. C'est juste une histoire que d'un côté, tu as un objet de type AD quelque chose, et que l'autre, c'est un string et qu'il n'arrive pas à comparer les deux. Quoi. Et le fait de les inverser, bah, ça Attends, force. J'ai pas ton... suivi, ça a fonctionné là. Ouais. Ouais. Et lol. Lol, Nicolas. Ah, c'est pas moi, en c'est fait, Laurent. En fait, il aurait fallu mettre un point d'arrêt, effectivement, et voir de quel type était l'objet members que tu as récupéré, puisque c'est toi qui le moques. Et ouais. Bah, c'est un PSQ sur objet, du coup. Et l'autre, c'est un string. Alors, j'imagine. Et du coup, ouais. le fait, par contre. Et le fait d'inverser, en fait, tu obliges le members à comparer avec un string, donc il devient un string. Ouais. Et c'est une histoire par comme contre, ça. Par contre. Il y a Par contre, peut-être pour le moyen. identity, à mon avis, pour la identity, tu ne l'aurais pas inversé, ça aurait marché aussi. C'était vraiment juste le members qui foutait la merde. Et si tu enlèves un de tes deux, là, genre members et juste Nicolas Bonin égale members, est-ce que ça a marché? Parce que tout à l'heure, François, il disait genre oui, il faut pour moi, mettre ça tous les fonctionne. paramètres. En fait, l'idée. Ouais, c'est ça, ça fonctionne. L'idée, c'est que le bloc de script qui est ici. Ouais. Si j'enregistre, bah, je pense... c'est mieux avant de tester. Le bloc de script qui est ici, l'idée, c'est qu'il renvoie vrai. Donc là, on voit bien qu'il renvoie vrai, donc c'est passé. Et t'as pas d'AD derrière, là, t'as rien. Non, j'ai pas d'AD. Mais alors, là, du coup, attends, mais pourquoi... Attends, j'ai raté un truc, là. Pourquoi ça marche, en fait, maintenant là? Parce qu'en fait, avant, c'est tout con, mais avant, tu comparais members, qui est un PS Custom Object, et tu lui demandes qu'il soit égal à un string. Et en fait, en inversant, tu compares un string avec ton objet qui, du coup, se transforme en string puisqu'il y a pas de... puisque PowerShell n'est pas... je sais plus comment on dit, là, pour les variables. Tu peux passer une variable string à une variable machin et tout. Donc, ouais. Le fait de mettre un string en premier et de le tester avec autre chose, l'autre chose devient un string. C'est ça. En fait, tu as une conversion qui est faite sur oui. Le deuxième paramètre pour... la deuxième au valeur premier. À tester. Voilà, pour correspondre au premier. Mais je crois alors que le string, il n'arrivait pas à le convertir en PS Custom Object. Je crois a priori, que... Oui, c'est ça l'explication de l'article. Oh. Ça, ok. Bah, des fois, il y a des trucs surprenants. Il y avait un truc aussi qui existait pour ça. La prochaine fois que j'ai besoin de trouver un truc sur Google, Laurent, je te poque. Hein. Pas de soucis. Putain, là-dessus, j'ai perdu des heures. Je sais pas si on Et peut faut faire ça. Faut demander, les gars. Ok. Ah, le polymorphisme, Antoine, je suis pas sûr que ce soit exactement ça. Le polymorphisme, c'est plutôt dans les classes. Si je dis pas de bêtises. Non, ça marche pas. Le polymorphisme dans les classes, je pense que c'est quand tu appelles une méthode qui a plusieurs signatures. Quoi. J'ai essayé d'utiliser le remove parameter type de la commande mock.
mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est ça, Thomas, ouais. Par contre, est-ce que tu peux juste essayer un coup ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tu mets ton point d'arrêt sur la fonction et tu vas littéralement cliquer sur Run Debug en haut, là, au niveau de ton contexte. Donc, tu montes un peu dans la fenêtre là. Non, t'es pas en mode debug là. Ah, si, Non, si, non, non. Franchement, normalement, vas-y, essaye juste, franchement. Close ce truc-là et recommence, mais cette fois-ci en cliquant sur le ferme, bouton ferme, Run ferme, Debug en haut. Fais stop. Ouais. Et va vraiment dans le menu Run en haut. Là, Menu Run. Non. Tu montes dans ton script, là, la fenêtre de droite. Tu montes dans ton script et au niveau de ton contexte, tu fais ton Run Debug. Parce que je sais pas pourquoi, normalement, tu devrais avoir sur chaque le bloc, contexte. Tu devrais avoir. Et va un petit peu à gauche, là, parce Non, qu'on voit pas le. Non, non, c'est bon. Laisse le point d'arrêt sur le 43. Oui. T'enlèves le point d'arrêt sur 30. Oui. Et dans le contexte, là, normalement, tu dois pouvoir lancer tes tests. Ben Tu ouais, dois avoir un pourquoi on le run voit pas? debug, là, quelque part. Pourquoi on le voit pas sur tes tests? On devrait l'avoir, ça, normalement. C'est pas C'est plutôt dans sur ton. Vas-y, ici, run debug le test. describe? Voilà. Voilà, vas-y. Ouais, c'est monté plus haut. Voilà. Et là, tu as du jaune partout, c'est dégueulasse, c'est ce que je veux. Et maintenant, tu fais ton C'est dégueulasse, Non, mais j'adore là, ça. tu fais ton Quand c'est pas F11. beau, j'achète. Et là, tu fais ton F11, tu vas F11. rentrer dans la Ouais. fonction. Ouais. Qui doit être là, la Non. fonction. Putain, c'est vraiment Tester. poster. Tu fais Et je chier. Moi, comprends ça pourquoi t'as rentre dans ma passé des heures à fonction. pleurer sur ton truc. Ça devrait rentrer dans la fonction update à des groupes, là. Non, mais c'est pas tout de suite, c'est après. Mais non, le point d'arrêt, il l'a bien mis sur sa fonction. Ouais. Ah oui. Bah Pourquoi il ouais. va dans Pester là? Pourquoi il. Moi je veux qu'il aille dans le truc de Laurent là. Parce que là, tu vas te taper tous les trucs de Pester hein, jusqu'à ce que tu arrives dans la. Ben, c'est ça, puis à la tronche du module, elle était à 8000 lignes quoi. Ah non, c'est bon, c'est pas ça n'a pas marché. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu es rentré dans la fonction, là tu peux vraiment appeler les fonctions et tester en fait avec tes paramètres en live, une fois que tu es dans la fonction, et comme ça tu vois si les mocks sont passés. Je sais pas si c'est très clair en fait. Ouais, est-ce que ça viendrait pas du fait que je suis dans un bloc de script? Ah si, tout à fait possible, si tu l'enlèves. Moi, je pense que ça vient de là. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Et franchement, ça c'est vraiment cool pour débugger. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que bah, ça m'a quand même vraiment dépanné ce truc-là, mine de rien. Voilà. Et quand tu rentres, en toute logique, là avec le F11, tu rentres dans l'update à des groupes. Pas dans Pester, mais dans l'update à des groupes. Ouais, je suis dedans là, j'ai l'impression. C'est ça. Et maintenant, dans ta console, si tu tapes par exemple, tu as fait quoi comme mock add à des groupes member, si tu tapes juste ça, add à des groupes member, là tu vas voir s'il a été mocké correctement et si le truc il est catché. Et ben là, pour moi, il est pas. Ça marche pas en fait. Si, Pester mock. Mais pourquoi il te demande un tiers identity? Parce qu'en Ah mais fait, là, il est bloqué sur le paramètre, là. il reprend en fait les valeurs des paramètres de la commande de Ah, base. que t'as passé avant. Ok, mais Ouais, bon. en fait, il fait un proxy, si tu veux, Ok, avec la vraie commande. ok. Donc il est bien catché, c'est bien ça, mais Ok. Si, à gauche, tu vois les variables à gauche qui sont passées. Ah oui, Variables ok. automatiques. Donc c'est bien que tu vois bien le truc. Ok. Il représente le mock. Voilà, et là tu vois en fait tout. Bah, c'était bien ça que j'attendais. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est le retour. En fait, il dit pourquoi, du comment et les returns. Et c'est quand même. Enfin, je trouve ça, même si c'est très verbeux, c'est quand même assez pratique quand tu commences à creuser pourquoi ça marche pas, quoi, globalement. Ouais, c'est clair. Ah, c'est pas mal ça. Je sais pas. Ouais, Ouais, connaissais j'ai pas ça. découvert ça cet après-midi. Entre deux meetings. Moi, je fais toujours des tests qui fonctionnent, du coup, c'est chiant. Genre, la star. Oh, le mec. Ah, il est trop bon, il est trop bon. C'est la Ah là là. différence. Alors que tu vois, Non, mais je moi, suis mais du content, coup, toi, j'ai appris. du coup, Nicolas, t'apprends pas, lui, il apprend en faisant des C'est erreurs. vrai. Non, mais totalement. Mais en attendant, c'est lui qui perd du temps et quand il trouve des trucs, il nous les apprend aussi. Donc finalement, on est Ça marche gagnant. dans les deux sens, ouais. Ok, non, mais Ok, c'est donc cool. juste. Ouais, donc du coup, juste pour revenir sur le truc, c'est que là, maintenant, moi, dans mon cas, il faudrait que je fasse un contexte où je passe des infos bonnes, un contexte où je passe des infos pas bonnes,
et que je fasse gaffe que ça passe toujours dans le bon cas, quoi. Si je mets un user qui n'existe pas, ben faut que le getUser me fasse une erreur. Si je le donne un groupe qui n'existe pas, faut que le get, le add ou le remove me retourne une erreur pour me dire que le groupe n'existe pas, ce genre de choses, quoi. Ouais. Alors après, si tu fais un get à des users et que l'utilisateur n'existe pas, normalement, ta commande, enfin ta fonction est censée s'arrêter. Sauf si. Bah, il y a le catch. Il est dans un try catch. Donc voilà. Ce qu'il faut que je teste, c'est qu'il passe bien dans le catch et qu'il me retourne bien le message d'erreur, quoi. Voilà, et que ces deux commandes-là sont appelées zéro fois. Pour le add et le remove, parce que justement, il n'a rien trouvé. J'ai compris le principe, mais je te dirais que c'est pas demain que je vais écrire le test pester. Tu as tort. Il faut le faire. Il n'y a que comme ça qu'on a. Et et sinon, j'avais un dernier cas. Le cas d'un binaire. Ouais, moi, j'ai une question vite fait, Nico, là. Yes. Pourquoi ton truc, tu l'avais mis dans un script block, là? Ici, là? Ouais. C'est pour que Pester puisse intercepter l'erreur. En gros. C'est pas notre fraude d'un coup, là? En gros, c'est pour dire que le bloc de script que je lui donne, il ne faut pas qu'elle génère une exception. Si je ne mets pas les accolades, Pester n'est pas capable de l'intercepter. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'était dans les anciennes versions et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Ok. Si je traduis, c'est vraiment que pour du. Dès que tu veux catcher un trop, en fait. Ouais. Ok. Donc sinon, tu ne l'utilises jamais. Quand tu veux mettre ça dans une variable ou un truc comme ça. Ouais, voilà, si ça renvoyait un chiffre, tu ferais je lui dis égal à 1 ou un truc dans le genre, quoi. Non, mais si jamais il doit renvoyer un chiffre et qu'il ne me génère pas d'erreur, la commande n'est pas censée générer d'erreur, donc du coup, je fais un should not show. Ouais. Par contre, le résultat, je le mets dans script result. Oui, et après, tu fais script result doit être égal à machin, c'est ça? Exactement. Mais tu peux le faire directement en pipant. Comment tu as fait plus haut là, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. En fait, c'est pour ça que j'utilise la portée script. C'est pour pouvoir réutiliser la valeur de la variable plus tard. Alors, je ne le fais pas forcément sur... je l'ai fait... Non, pas ici. Ici. Voilà, je fais le test, je valide le fait que j'ai pas d'exception. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est le truc en mal. Et ensuite, je teste la valeur. Ah, okay. Donc, tu mets les accolades que pour du trop, c'est tout. Ouais. Ok. D'accord. Et la portée script, du coup, c'est quoi? Ça correspond au contexte ou ça marche jusqu'à où, la portée du portée script là? Si je me trompe pas, c'est describe. D'accord. Parce que ça m'est arrivé de me retrouver avec des tests valides qui testaient la valeur d'un contexte du dessus. Et là, tu fais, mais je comprends pas pourquoi ça marche. D'où l'intérêt de pas appeler, d'où l'intérêt de pas mettre le même nom de variable dans les différents hits et contextes et machin. Ça, ou alors tu la reset à zéro. Enfin, tu fais $script result est égal à nul. Et si tu si enlèves le script, Nico, là, du coup, c'est que dans le hit block ton résultat. Alors, pour moi, il n'est pas capable de. Hop. Excellent. C'est vrai que c'est pas bête, ça, plutôt que de le réexécuter 50 fois le truc. Hein. C'est malin. Voilà. Et pour moi, si je fais ça, alors. Ouais, c'est le premier. Donc. Non, c'est le deuxième avec Cascade. Ah, c'est ça. En gros. Bah, si, il l'a fait une fois. Il a fait Nicolas Baudin.
Attends, c'était quoi celui-là? Si, si, c'est bon, c'est juste que tu avais enlevé. Attends. Non. Non, c'est pas bon ça. T'es en pas train de tout facile lui de foutre en l'air dans sa la démo, démo. quoi. Ça, c'est pas bon ça. Je crois Donc, que j'ai un don. effectivement, il a exécuté le premier, mais parce qu'il doit se baser sur un vieux résultat. Au début du contexte, fait un résultat égal nul ou. On va faire une variable carrément. Mon résultat est égal à nul, ça suffit. Non, pas égal. Equal. Non, égal, c'est bon. Et script. Script. Voilà. Et back. Donc ouais, ça pète tout le test. Et là, ton before-all, il est exécuté à chaque fois avant les hits. Avant les deux hits, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Il est Donc, à exécuté chaque, une fois, ouais. À chaque test case, il est Voilà. exécuté trois fois. Ah, il est exécuté à chaque hit, d'accord, ok. Ouais. À Non, il est chaque exécuté. contexte. Non, sinon, c'est before each, si tu veux qu'il soit Non. exécuté à chaque fois. Il y a le test case. Il est exécuté à Ah, chaque my début de bad. contexte. Ah oui, à chaque début de contexte. Mais donc c'est ça, il n'est pas exécuté 6 fois, là, il est juste exécuté trois Trois fois. fois à chaque Les trois test test case. Par contre, si tu faisais Voilà. un before each, ça serait 6 fois. C'est ça. Ok. Ce qui planterait mes tests tester, notamment celui-là. Ok. Oui, parce que chaque fois, il reviendrait à nul, alors qu'il a fait ton script résultat avant, quoi. Voilà. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans la portée script comme ça. C'est quelque chose qui est très utilisé au niveau des ressources DSC. C'est comme ça que j'ai vu. Moi, ce que je vois Pareil, souvent il faut. l'utiliser, c'est la portée globale. Ouais. Et ça, c'est pas Script, bon. script. Ah non, c'est pas bon ça. Script, script. Bizarrement, j'ai le star comme j'ai fait dans mon truc là. C'est où tu mets l'étoile avec Ouais. la globale. Tu mets des étoiles partout, comme ça, t'es sûr que ça passe. Si tu veux pas être emmerdé, étoile. Là, par exemple, sur la ressource WSUS, là, on est sur du résultat. En fait, il va exécuter la fonction test avec les valeurs qu'on lui donne. Donc, il n'est pas censé générer de throw. Et derrière, on teste si c'est bon ou si c'est pas bon. Et combien de Ouais, fois ça a été moqué. ils sont même pas encore passés en Pester 5, quoi. Non, je les ai écrits, les tests. J'attends que ma PR soit validée. Gaël, si t'es dans le coin. Non, non, j'ai réécrit tous les tests testers de Update Services DS en Pester 5. Et justement, il n'y a plus. Ça, on est, le assert vérifiable mock. 1, 2, 3. Ça sent que j'ai parlé toute la journée ou pas? J'ai la langue Ouais. qui colle au palais. Hein. Et en gros, cette commande-là n'est plus censée être utilisée. Ça, si on comprend le hit, c'est juste pour vérifier que le mock a été appelé, quoi. Voilà. Mais en fait, cette écriture-là n'est plus d'actualité. Il faut écrire. Parce que maintenant, tu utilises le nombre de fois où ça a été. Voilà. Alors, tu pouvais aussi le faire avec le assert. Mais sous Pester 5, il faut utiliser le should qui va vérifier l'assertion. T'as pas le tiret vérifiable aussi quand tu fais le mock? Si, Ça alors. fait la même chose sur un cas. Ouais, j'ai pas compris. Il faudrait que j'envoie un ping à Jacoum ou que je continue à lire la doc. Mais je vois pas la différence en fait entre un mock vérifiable et un mock non vérifiable. Il faudrait que je pose la question à quelqu'un sur le Discord de Pester. Enfin, testing. Bon, tu nous parles de ton binaire là? Ouais. Dernier cas de mocking. Ça, j'y avais même pas pensé à ça, tu vois. Ah bah avec G-Cloud, putain, je peux te dire que moi j'y pense, hein. Tous les Oh jours. putain. Le matin, le Ah, midi, c'est le ça, ouais. soir, la nuit. Ah là là. Alors, Tu peux dans le cas d'un m'évoquer le binaire. retour d'un binaire, quoi. Ouais. Dans le cas d'un binaire,
parce qu'on n'a pas forcément le binaire en local sur notre machine, ou si on l'a, on n'a pas forcément la configuration adaptée pour qu'il nous renvoie en fait la bonne information. Et l'idée, bah, c'est de le traiter comme une console power, comme une fonction PowerShell, pardon. Et j'ai pris comme exemple WakeUtil avec un retour. Parce que WakeUtil, en fait, en fonction des paramètres qu'on lui donne, il renvoie juste des valeurs. Et puis basta. Donc là, c'est vraiment le truc simpliste au possible. Et alors, par contre, la petite subtilité, c'est que un binaire, quand il s'exécute, il va modifier la valeur de last exit code pour savoir s'il s'est bien exécuté ou s'il s'est mal exécuté. Et donc, si dans votre fonction, vous testez ça. Si ton binaire, il est bien codé. Hein. Aussi. Aussi. Mais dans la plupart des cas, il le fait. Et pour tester ça, malheureusement, on n'a pas la possibilité de le substituer dans le mock. Donc, il faut à la main modifier la valeur de last exit code dans le lecteur de variable. Alors moi, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si c'est la bonne manière. En tout cas, c'est une manière de le faire. Et donc, ça se présente comme ça. Tac. Donc, vous avez la partie describe, la partie contexte. Et là, dans le hit. Alors, je l'ai placé ici parce que j'avais des erreurs, je crois, de portée, mais il faudra que je reteste si je ne peux pas le mettre dans le before all. Le mock de WakeUtil, mock with up sub 1, la modification de la variable. Et derrière, j'appelle ma fonction. Alors, ma fonction, elle est bête et méchante. Voilà, c'est Result, WakeUtil, enum, subscription. Si c'est pas égal à 0, je saute. Sinon, je renvoie le résultat. Donc, should not throw. Il est censé le moquer une fois. Et en résultat, je suis censé avoir sub 1. Et donc, si j'exécute ça. Voilà, ça passe. Après, pour tester, je vais balancer ça dans le before all. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de remodifier. J'ai écrit ça un peu à l'arrache. Hop. Ça passe. Et tu vois là. Là, on est dans le cas où je commence à avoir du mal à comprendre. Ouais. Parce que pour moi, tu auras toujours, ce sera toujours tes tests spacer, ils passeront toujours juste. Quoi qu'il se passe. Non, mais oui, là, si tu peux très bien dire, je veux tester le. Imagine, le last exit code, il est à 1. Et ben là, l'intérêt, moi, je pense, après, c'est mon avis, mais il faudra plutôt tester it should throw, quoi, tu vois. Ça devrait. Ouais. Tu vois, plutôt alors, tester c'est... le oui, on est d'accord, mais comme ce n'est pas l'appel au binaire qui change le last exit code et que tu le fixes à 0, en fait, ton test sera toujours vrai ou faux. Si tu mets 1 ou 0, tu fais should not throw ou throw, mais ce sera toujours vrai ou faux. Puisque c'est toi qui fixes la valeur de ce que tu retournes. Oui, donc, mais il ne modifiera tout comme, jamais. Tout comme l'expression régulière de tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu ne touches pas l'expression régulière, ce sera toujours vrai. Là, c'est de voir comment tu as géré l'exécutable dans ta fonction. C'est ça. Oui, le seul. Oui, mais là, tu ne le testes pas, ta fonction. Parce qu'en fait, ton get machin truc, elle marchera toujours puisque tu l'as. Oui, mais parce que là tu es dans un contexte simpliste, on va dire. Mais si dans la fonction, je ne sais pas, je fais. Ou même si ton exé peut renvoyer plusieurs résultats.
Tu vois, c'est là où tu, encore une fois, tu vas pouvoir tester. Imagine, je sais pas, un truc con, Terraform Init ou n'importe quoi. Un Terraform, tu l'exécutes et tu peux avoir plusieurs résultats. Ça pourrait être. Bien, tu peux imaginer un truc là-dessus, quoi. En fonction du résultat de ce qui sort de l'exé, faire quelque chose ou tester ton truc. Ou... Là, forcément, oui, je suis d'accord avec toi, Laurent, ça marchera à tous les coups. Par exemple, moque un robocopie, quoi. Genre de truc rigolo, c'est ça. Là. Ici. J'ai écrit un test. Bon. Describe, non, j'ai une accolade de un trop. bloc de trop. J'ai une accolade de trop. Merci, VS Code. Merci la colorisation des annotations aussi et des. Aussi. Et les accolades Merci, de. merci un peu tout en fait. tac tac tac, hop, mock, result, list, should, scroll. Hop. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vu que j'ai pas reset la valeur de result, il a pris celle qu'il y avait au-dessus. Oui, parce que tu as apporté script. Voilà. Donc là, tu vois, j'en ai deux. OK. Bah, je valide que ça passe là-dedans. Par contre, si j'en ai qu'une, je valide que ça ne passe pas ici. L'idée, c'est que quand ta fonction commence à devenir complexe, il faut vraiment qu'en fonction des cas, elle emprunte le bon chemin. Et est-ce que tu pourrais tester là le fait que ta fonction te retourne bien trop de valeurs? Je crois que tu as une option message. Expected message. Voilà. Donc tu peux bien throw le expected message et pour prouver que potentiellement ça ne marchera pas. Voilà. D'accord. Oh là là, c'est Ok. puissant quand même. Hein. Ah, c'est fort. Non, non, mais c'est. Il a fait un truc de malade. Et il fait un truc de fou. Si je me trompe pas, Un filtre. je ne me trompe pas. Étoile. Mince. Ah. Voilà. En gros, il va bien tester que WhatUtils, s'il a énumé description en argument. Et c'est exactement ce que j'ai ici. Si je fais ça, ça pète. Est-ce que t'as fait quoi? Ah oui, d'accord. Ben, on va l'aller, ouais, mais... Bien, bien, bien. Par exemple, Nico, ici, Nico, je crois que j'ai bien fait de l'enregistrer parce que je vais avoir besoin de la re-regarder cette vidéo. les sources de tout ça, tu pourras les partager pour qu'on s'amuse avec? Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais ça pourrait être intéressant parce que, enfin, de repratiquer un petit peu, quoi. Ouais. Pas de problème. Carrément de piquer des blocs entiers, quoi. Ah non, 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 non. Ah non, 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 c'est de comprendre, enfin, c'est de refaire, d'essayer de... Non, non, non. Ouais, loin de là.
Je parlais pas pour toi, t'en fais pas. Hein. Après. T'as fini ou pas, Nico, ta démo là? Parce que du coup, il y a 2-3 trucs. Qui, par exemple, le fait de faire typiquement le G-Cloud, si t'as pas envie de l'installer, c'est le fait de faire une fake function. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui peut être intéressant d'en parler. L'idée, c'est Alors. que par exemple, si t'as pas envie, typiquement sur mon ordi, j'avais pas envie d'installer le G-Cloud. Et quand tu exécutes ton test pester, globalement, le truc bah, essaye d'exécuter G-Cloud et te dit bah, il n'est pas installé, ça marche pas. Et en fait, il y a un truc qui est tout con, c'est tu fais un function G-Cloud, tu crées en fait une fake function qui s'appelle G-Cloud. Et du coup, quand ton test pester exécute, bah, globalement, dans ta session, bah, en fait, tu simules une fonction gcloud, donc comme si tu avais installé l'exécutable, mais au final, bah c'est rien en fait, ça te retourne rien, mais au moins t'as plus d'exception qui est générée. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Si, si. Si? Ouais, Oui, mais tu peux bah, pas, c'est le même cas que vient de faire Nicolas là avec l'exécutable. Non, Oui, parce mais que sauf que celui-là. celui-ci, c'est un exécutable qui existe. Ouais, en fait, ouais, utile, Sur il est Windows. présent sur ton poste. D'accord. Alors que gCloud, il ne connaît pas. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de faire fonction gCloud. Hop là, je me suis planté de fenêtre. Tac. Comme ça, tester ne lève plus d'exception quand il S'appelle cherche à gcloud. moquer la commande. Oui, Voilà. ok. Même si elle fait rien. Même si elle fait rien. On s'en fout parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les valeurs du mock. C'est ça. Et donc ça, tu le déclares dans ton test pester. Ouais, dans le C'est bufferall, au ça. début. D'accord, ok. C'est Oui, ça. donc tu peux. D'accord. Et tu peux même Et du aller coup, là, plus loin. tu peux appeler ton gcloud en lui passant tous les paramètres que tu veux et tester ça dans ton mock, quoi. C'est ça. Et du coup, si tu fais ça, mais avec un exe qui existe, est-ce que du coup, il va prendre la fonction ou l'exe? Imaginons, tu veux pas du tout que. Imaginons que t'es gCloud est voilà. installé, mais que tu fais ça. Ouais. Je Tu suis pas veux pas sûr. Alors, je du pense que tout. là, tu vas avoir une précédence sur la fonction, mais ça, c'est le fonctionnement de PowerShell. Ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais, parce que je sais pas si vous voyez mkdir. Il est un binaire. Non, c'est C'est un alias, hein. un C'est un alias. Alias. C'est pas un alias. Oh, c'est pas Si. un alias? Ah, tu fais un get alias. C'est une fonction. Oh, ouais. Oh, c'est ouais. Ouais, c'est un ouais sans C'est une conviction. fonction. C'est une fonction qui appelle new item. Putain, moi j'aurais été persuadé que c'était un alias. Ah, j'aurais Moi parié aussi, aussi. ouais. C'est un proxy, quoi. Ah, mais mkdir sous cmd, il existe. Oui. Voilà. Donc en Oh. fait, PowerShell il utilise les fonctions avant les exécutables. Pour répondre à la question. Donc ça veut dire que si tu crées une fonction, par exemple wakeutil, Et que tu as wakeutil installé, il va utiliser la. la fonction. Les fonctions sont prioritaires au binaire. Donc avec D'accord. gcloud installé, tu peux le moquer en simulant un gcloud vide. Quoi. Voilà. Même s'il est déjà installé. Quoi. C'est ça. Ok. Putain, on en aura Et appris des choses ce soir. C'est clair. J'ai bien Et aimé ton truc à la fin, la définition. Je ne savais pas que tu pouvais voir la. C'était pas mal ça. tu J'y savais avais pas? jamais pensé. Non, non, putain, non, sérieusement? Non, non, je savais pas du tout. En fait, c'est un jour, j'avais des scrupules à utiliser mkdir. Je me suis dit, ah, c'est pas du PowerShell, tout ça. Mais en fait, j'ai fait get command mkdir, j'ai eu fonction. Je fais, tiens. Et du coup, définition. Ah! Moi, j'aurais parié que c'est un alias. Hein. Et moi aussi, ouais. Et non. Non, non, non. Non, Bon. parce que je crois que new item, par défaut, il crée un fichier, pas un dossier. Donc ça peut pas être un alias. Mais Oh, il a réponse à tout, ce monsieur. Ouais, Il est chiant. On va l'appeler Monsieur Vas-y, PowerShell. trouvez-lui une question piège, là. Il m'énerve d'avoir raison tout le temps. Et pour rester dans l'idée du mock avec les trucs de gcloud, comme quoi si ça existe ou même si ça n'existe pas, de créer des fonctions factices, on va dire. On peut s'amuser
Alors, je reprends l'exemple de... je vais nettoyer un peu ça, parce que c'est un peu trop de monde, là. De update service DSC, où, en fait, les gars qui ont écrit le module ont carrément créé un module PSN1 dans le dossier test qui va recréer... un environnement. Voilà, okay. Les commandes WSUS. D'accord. Mais qui te renvoie en fait le return du mock, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, même pas, parce que quand tu les appelles, bah ils vont te retourner les fonctions, quoi, ce qu'il y a là-dedans. Et en fait, ils ont recréé des objets, des PS Custom Objects, avec des add members pour créer des script properties, parce que des script methods, pardon, parce que dans le code de la ressource DSC, ils appellent en fait certaines ressources, certaines informations via des méthodes. Du coup, pour pouvoir tester tout ça, bah, ils ont recréé des commandes WSUS qui vont générer des objets avec les bonnes méthodes aux bons endroits et qui renvoient en fait différentes informations. On fait une usine à gaz. Ouais, franchement, quand tu m'as envoyé ça hier, j'ai passé 30 minutes, j'ai fait « Ah non, j'ai encore plus mal à la tête qu'avant. » Et j'ai poussé le vice encore plus loin sur les tests, parce qu'en fait, au départ, ils avaient juste fait une commande « get WSUS » serveur. Et ça me posait problème parce que il y avait dans certains cas, je voulais modifier des éléments de GetWSUS pour faire des contextes différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fonction GetWS server template qui me sert en fait de modèle et la commande GetWSUS, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle cette commande modèle. Et en fait, dans les test pester, quand je veux moquer GetWSUS server, eh ben je réalise le mock en appelant la modèle et en modifiant les valeurs des propriétés et des méthodes. Ça y est, il m'a perdu. Ouais, moi aussi, j'ai rien compris là. Moi, je suis en PLS, là. Ah, il nous a tous tués à la fin. On va tous prendre Adolis, prendre et aller au lit. C'est vraiment le drop the mic, en fait. C'est... ouais. Adolis, prendre et au lit, c'est bon. Là, par exemple, dans le module, j'ai recréé une autre GetWS server qui moque avec des wildcards sur les produits. Donc en fait, je reprends ce que génère le template et sur la partie WSUS server, je vais rajouter donc les autres membres, comme d'habitude, mais potentiellement aussi d'autres éléments sur la partie subscription, etc. Et en fait, quand je vais en avoir besoin dans les test testers, plutôt que de moquer la server template de base, eh ben, je vais moquer la wildcard, qui va me changer mon contexte de serveur et où je vais pouvoir faire mes tests et valider que les commandes renvoient ou non ce que j'ai envie. J'aime beaucoup ta question, Yann. Est-ce qu'on peut moquer Get Credential? Antoine, bravo Antoine. Yann, tu connais la réponse à cette question, je vois pas pourquoi tu la poses. Et pour que tu en je parles. Sais plus. Yann, il a demandé si on pouvait moquer Get Credential. Et on avait trouvé un truc comme quoi on ne pouvait pas la moquer. C'est une commande qu'on ne peut pas moquer. Parce qu'elle s'exécute dans un certain contexte, je crois. Enfin, il y a un truc un peu bizarre avec cette commande. Ouais, c'est. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est une question de sécurité, oui, je te confirme.
En gros, unable to fully mock get credential. Attends, j'ai la réponse. Attends, c'est à 4 ans ton truc. C'est pas grave, t'as ah, ça, ça marche. En fait, l'équipe de recherche dans Google, il met date moins d'un an, quoi. Généralement, je fais ça, ouais. C'est pour ça que je trouve jamais rien. Moi, je mets pas de date. Même des vieux trucs, ça marche toujours. Bon, c'est que je cherche plus trop. Ah oui, c'est qu'en fait, get credential va faire pop une GUI. Voilà. Et en ça, gros, tu as une interaction. Il attend une interaction. En fait. En gros, c'est le fait de générer cette pop-up qui va rendre le mock impossible par Pester. C'est logique. Tu réfléchis. Voilà. Ouais, mais tu vois, le truc juste en dessous, là, moi je l'aurais fait comme ça, j'aurais pensé que ça marche, quoi. Mock get credential en générant en fait un objet credential et en retournant. Ouais, sans c'est avoir ça, d'interface. C'est ce là. Dit, là. Ça ouais. Fonctionne. C'est une en fait, tu simules le get credential, mais en fait, tu passes un password et un credential et tu génères un objet credential, quoi. Mm. C'est la seule solution que je verrais pour le faire, quoi. Ouais, bah, c'est ça, tu overrides en fait la fonction. Ouais. Ouais. Effectivement, dans tes tests, tu pourrais moquer le credential en passant par là, quoi. Ouais. Après, avec les. Yann dit qu'il a tenté. J'ai tenté de tête. Ouais, de tête. Mais hein. Ça fait longtemps qu'on avait tenté, Yann. Je suis plus, ça doit remonter au moins à 6 mois. Ça fait loin déjà. Ça fait moins de 4 ans. Ça fait moins d'un an aussi. Mais bon, c'est encore dans les recherches. Mais oui, je sais. En fait, le contexte était un peu particulier. Et je crois qu'on avait trouvé une voie de contournement, je ne sais plus. Je sais plus, il faudrait que je regarderai demain sur ce qu'on avait fait. Et, de toute façon, on en rediscutera demain, Yann. Oui, ça a l'air sympa comme discussion. Ouais, tour d'un café. S'ennuie pas. Il y a peut-être un autre truc, Nico, qu'il faudrait, pareil pour ceux qui veulent creuser. C'est quelque chose qui est nouveau et que c'est ce que tu disais avec les tirs à output et compagnie, c'est le fait de jouer avec ce genre de conneries en fait. Où tu configures la façon dont Pester va réagir. Oui! Et ça, c'est assez intéressant. Ouais, j'avais lu. Moi, typiquement, j'ai ça dans mes trucs de build. Ça peut peut-être servir, bon, globalement. Mais c'est plutôt cool. Tu as aussi la partie CI/CD où tu veux tout dumper directement en XML. Oh putain, merci Teams. Bon, je te laisse le faire. T'appuies en bas. Tant pis, en bas à gauche, à côté, sur le petit A. Oh là là. Je préfère aller sur Teams. C'est beaucoup plus simple ces chiffres. Ouais, en fait. Ouais, c'est toujours plus simple. Ouais, j'avais c'est toujours déjà plus simple regardé, d'apprendre en fait, à l'utiliser, quoi. Bon après. J'avais déjà regardé cette partie configuration pour adapter en fait les tests Pester 5 sur Sampler. Mais de mémoire, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Johan. Et effectivement, j'avais commencé à gratter ça. Mais je t'avoue que maintenant que j'utilise Sampler pour développer les modules, bah, j'ai plus besoin de rentrer là-dedans pour le faire. Ouais, c'est built-in en fait, ouais, d'accord. Okay. Ouais. C'est super aussi, bien c'est un géré. Il faudra qu'on demande à Gaël qu'il nous fasse un petit truc sur Sampler. Ouais, Sampler, ouais, ça me plairait. Ouais, c'est sympa, super. Ouais. Parce que je l'utilise aussi, je commence à l'utiliser et j'ai pas tout compris forcément comment ça fonctionne, quoi. Prochaine démo, Gaël, s'il nous entend. Je crois qu'il n'est pas là. Mais il avait déjà proposé, il faut juste qu'on arrive à caler une date. Ouais, je pourrais la faire avec lui. Je pense qu'il est encore un peu occupé avec la mini-con de PSConf ouais. Qui arrive là. Et puis après, il va repartir sur la PSConf UE, donc il va être encore plus s'occuper. C'est un cercle sans fin. C'est sûr qu'organiser un truc comme ça chaque année, putain, ça doit prendre un peu de temps. Ouais.
C'est hyper chronophage. Mais encore, il y a eu du monde pour je les. Je vais vous laisser, moi. Ouais, bah, je pense qu'on va, on va arrêter là. Merci, Nico. À moins qu'il ait encore un coup de marteau à nous mettre derrière la tête, Nicolas. Ouais, j'avais juste un petit truc là que j'ai découvert ce matin. On peut moquer des objets d'autnet. Voilà, voilà. En gros, si y a un type qui n'existe pas, alors il faut que je le teste parce que je compte le mettre en place sur Update Service DSC. Parce que la plupart des commandes en fait sont des types un peu particuliers d'update services. Et ce que je voulais, c'était faire du mock object avec un type d'objet qui ressemble au type d'objet qu'attendent les commandes pour pouvoir valider un peu plus finement en fait ce qu'attendent les vraies commandes WSUS. Voilà. Voilà, voilà. Mais pour ça, il fallait que je passe sur Pester 5, et c'est pour ça que j'ai migré tous les tests Pester sur Pester 5. Et c'est quoi la différence avec... Tu sais, quand tu fais ton mock, tu mock ta fonction, et tu fais un return, bon, de base, on fait un PS Custom Object, mais là, tu peux pas dire « Crée-moi une instance d'un type bien particulier ?» Non, parce que sur les commandes que j'ai développées, il y avait un souci. Alors c'est laquelle? Je crois que c'est issu. Les jambes. A plus 0. Je crois que c'est issu 62 et 63. Et dans le code que j'ai écrit, dans les différentes fonctions, ou alors attends, c'est dans. Ah, j'ai un doute. C'est pas très grave, je testerai demain, ça m'intrigue. Bon, après, je fais pas beaucoup de C-Sharp ou de trucs étranges comme ça, mais. ça, bon, après, s'ils sont fait chier à créer une commande, j'imagine qu'il y a une raison. Ouais. Enfin, si Jacob s'est fait chier à faire ça. Ou c'est. Attends. Je vais le retrouver. Mais en gros, il y a des commandes qui attendent en entrée des types particuliers. Je sais plus où c'est. Et ce que je voulais faire, c'était tester ce type en fait. En fait, c'est pas surprenant si on y réfléchit que en fait le code des tests est plus long ou plus compliqué que le code de la fonction elle-même en fait. C'est pas débile si je dis ça. Non. À mon avis, si tu veux tout tester si tu veux arriver comme Nicolas à des code coverage de soit 80%, à mon avis, ton test il est 10 fois plus gros que ta fonction. Oui. Oui, oui. Il y a de quoi faire. Je me rappelle qu'en Pester 4, avec Stéphane à l'époque, quand il écrivait PS Class Utils, on avait écrit des tests et en fait, on utilisait des boucles. Pour faire des hits, tu sais, genre à la volée, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'est remplacé par les test cases, c'est ça? Exactement. Et tu peux faire des test cases dynamiques? Enfin, comment l'expliquer? Après, peux faire un import data, PowerShell data de ton fichier avec les hashtags à l'intérieur, et du coup, ça te fait ton test case. Et tu as juste à modifier le fichier, et puis... Après, tu rerun tes test pester et ils se basent sur le fichier pour créer tes test cases. D'accord. Très bonne question. Du coup, ça m'amène une chose. Ah, pardon, je pensais que tu as fini. Quoi. J'allais dire, mais c'est pas forcément ce que je vois le plus. Est-ce que tu peux faire autrement qu'avec un fichier? Je m'explique. J'ai une nouvelle idée à la con. Là.
c'est de faire du pester as a service chez moi. Et l'idée, c'est que je vais utiliser une queue dans laquelle je vais dumper en fait tous les tests que j'ai envie de faire. Et j'ai une machine qui, en gros, va aller lire cette queue. Donc, pas forcément de fichiers déjà faits. Mais du coup, je vais lire la queue depuis mes serveurs. Et je veux prendre la data à la volée en fait, et la traiter à la volée pour générer un test case à la volée. Je sais pas si c'est très clair. En fait, générer mes test pasteurs à la volée basés sur des valeurs dynamiques sans justement vouloir absolument stocker le truc localement en fait. Et je sais pas si ça c'est faisable, parce qu'à chaque fois que j'ai vu un test case, à chaque fois je voyais un get content de quelque chose. Sauf que le get content, bah, on sait tous que c'est un fichier derrière. Mais si. Si tu peux faire un get content, tu peux faire autre chose, je pense, non? Bah, je suis pas si sûr parce qu'en fait il y a un moment où il te faut absolument une clé value en fait. Tu vois, t'as Ouais, vraiment alors. cette notion de valeur. Après, tu peux t'amuser à faire des services externes, en fait, pour générer tes test cases. Le seul truc que je te dirais, c'est que un test unitaire, tu dois pouvoir le run en local sur ta machine, sans forcément être dépendant de services externes, justement. Ah, d'où le L'idée, fameux c'est fichier que, en fait. Okay. voilà, l'idée, c'est que n'importe quel développeur qui arrive sur ton projet fait un git clone, build, test localement sans avoir de dépendance à l'extérieur, à part pour récupérer les sources, bien sûr, mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une première phase de test en local. Peu importe où est ton utilisateur et peu importe s'il a ou non une connexion Internet ou à ton entreprise. Ouais, ça marche pour les tests unitaires. Alors là, dans mon cas, moi, c'est clairement des tests d'intégration que j'ai envie de faire, ou des tests d'infrastructure. Hein. Typiquement, c'est ma gouvernance sur Azure, AWS et GCP. Où l'idée, c'est ça, en fait, c'est que je balance des milliers de tests à la volée, et que ça se scale, en fait, derrière, j'utilise un scale set qui va aller choper la queue, qui va aller choper le résultat, et qui va dumper qui va en fait chier des centaines et des centaines de process PowerShell, en fait. Et tout dumper dans un log analytics. C'est à peu près mon idée, pour résumer. Ouais, bah à mon sens, ça me paraît Et pas déconnant. Mais pour moi, si tu fais du test d'infra ou enfin ce genre de choses, effectivement, avoir de la donnée live, enfin moi je sais que j'avais fait des trucs comme ça. Alors c'était en version 4, donc du coup c'était beaucoup plus simple. Enfin, c'était plus simple. Tu c'est avais la différent. notion de forage, je crois, c'était différent, ouais. Mais moi, ce que je testais, c'était des ACL, tu vois. Et du coup, je m'assurais que sur chaque dossier, tu avais X groupes positionnés, que les groupes étaient nommés de telle manière, qu'ils avaient les bons et les bonnes ACL, tu vois. Et je le faisais ça sur trois niveaux, tu vois. Et du coup, ça représentait quand même un bon paquet de répertoire, quoi. Et bah, alors, c'est tout con, hein, mais moi, je faisais juste un. Alors après, effectivement, là, avec les histoires de clés valeurs, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était enfin plus simple, j'ai l'impression, quoi. Mais je faisais mon get shared item et puis boum. Et tu faisais un forage derrière, ouais. Ouais, Ça, c'était en pareil, je sais pas B4, ça. Ouais. ouais. Et Sachant pas que ça là, marche, ouais. tu peux builder tes test cases, je pense que tu peux les builder. Après, il faut juste. Enfin, construire des hashtags, c'est pas compliqué, tu vois. Après, il faut juste s'assurer de ce que tu mets dedans. Après les forage, tu peux en mettre, mais dans les blocs hit. Dans les blocs Ah, hit. intéressant. Mais hit, Tu c'est peux en pas mettre, hité. mais dans le bloc hit, tu peux faire un forage. D'accord. Parce qu'il est exécuté pendant le run et pas pendant la Voilà. discovery. Ok. C'est ça. J'ai fait ça, je ne sais plus où. Je crois que c'était chez le client actuel. Et ouais, dans le bloc hit, en fait, dans mon test case, j'ai une collection sur une des clés. Et en fait, je teste les valeurs de la collection avec un forEach et je fais un should avec un contains. Parce que du coup, j'ai deux collections. Et je forEach mon test case et je valide en fait que la valeur est bien présente dans le résultat de ma commande avec un contains. Est-ce que tu peux juste remontrer tes test cases là, juste, je voulais juste voir un truc. Tac.
Tac. Tac. Alors, où est-ce qu'il est? C'était sur. Convert mail to ID user. Ouais, c'est là. Parce que là, dans le describe, tu peux pas juste exécuter. Tu peux exécuter du code arbitraire dans ton describe et ton test case, non? Voilà, là, tu peux build des test cases à la volée. Ouais, tu peux faire à la place de tout ça, tu peux faire un import, par exemple, import PowerShell DataFile. Ouais, mais tu peux aussi écrire du code PowerShell. Non, je suis pas sûr. Entre ton describe et ton test case, donc entre le describe et la variable, non, je suis pas sûr, Lani. T'es sûr, Nicolas, de ça? Tu peux pas écrire du PowerShell là entre ton describe et le dollar test cases là. Mais de leur test case, c'est pas une variable. Enfin, c'est une variable, si, mais c'est pas une variable de ton describe. Tu peux faire ce que tu veux, là. Tu définis cette variable test case avec ce que tu veux dedans, donc ça peut être autre chose, quoi. Sans que ce soit ni dans un disco, enfin, ouais, on le voit par là, par exemple, ton pied de date, là. On est bien d'accord. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été exécuté. Ça. Par exemple, si tu mets. Ah, Si, si tu fais un, si, ouais, d'accord, si tu fais bah, dans un imagine, outstring, tu imagine. pipes ça dans un outstring, tu vas l'avoir là, tu crois? Il faut Mmh. peut-être que tu fasses un write host en plus pour que ce Parce soit que pas sinon, ce que tu trop. aurais pu faire, Ah, c'est putain, faire un un test. testcase.add mail égale, je sais pas moi, ton getDate.day et getDate. Je sais pas quoi, tu vois. Excuse-moi, j'ai pas. Répète? J'ai pas. L'idée, par exemple, c'est que là, tu as ton Il est test là ton case qui est getDate. défini, Il est et là là, ton dans getDate. ton tu fais un testcase.add et tu mets en mail, tu mets, je sais pas moi, le getDate.day et dans l'ID, tu mets getDate.hier, un truc dans le genre, tu vois, pour voir si il le rajoute ou pas, quoi. Ça, pour moi, c'est bon. Mais c'est Ça, tu peux le exécuté faire. dans la discovery, mais pas dans tes tests. Dans la run phase, tu ne l'auras pas, du coup. Tu peux pas réutiliser ces valeurs-là, je pense, dans la run phase. En quoi? Mais tu vois, regarde la date dans sa console. Tu as starting discovery one file. Là, tu as la date. Et ensuite, il exécute. Ensuite, tu as la phase de run. Du coup, imagine que ton getDate, tu vas pas pouvoir le réutiliser dans tes hit blocks. Je ne sais pas si, encore une fois, c'est très clair ce que je suis en train de dire. Tu vois? Ça donne quoi? Alors dans ton hit, non, mais tu peux le passer dans ton test case. Alors. Et tu peux le passer un en... Ok. Putain, c'est un truc de ouf. Non, mais en fait, ça arrête jamais, quoi. On a encore deux questions dans le chat, hein. On pourra discuter encore 2 secondes et après. Fais ça. Okay. Et en gros, il va prendre le for each doom, mais vu que j'ai qu'une valeur dedans, ça ne va pas fonctionner. Il faut que je substitue ça, 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 et par ça, limite, et par ça. Et il vous met oui, test case when or Excellent. good. Ah si, ça marche bien en fait. Ouais, en fait, le Effectivement. for each dans le bloc contexte, quand vous lui donnez une valeur ou une collection de valeurs, il va utiliser la variable dollar underscore, comme dans un for each object. Et si jamais vous lui passez une collection de hashtags, et ben là, il va fonctionner avec clé, nom de variable, valeur, valeur de la variable. Tester te permet d'avoir un compte-rendu des tests passés. Qu'entends-tu par test passé? Bah, tu peux sauvegarder l'output de Pester dans des fichiers NUNIT ou sous forme de XML. Je crois que même qu'en version 5, tu peux Ouais. le faire en JSON. Hein. Tu as un Ouais, output il me semble format, aussi. un Ouais. truc dans le genre sur invoke Oui, c'était ça la question. Pester. Et du coup, après, tu peux le stocker où tu veux, quoi. Tu peux même aller beaucoup plus loin. Ouais, il y avait des trucs de ouf, hein, mais.
Mais je sais que le Nunit, c'était pas le truc de base, je crois. Je crois que c'était si. Le truc de base. Et c'était Nunit, hyper c'est le relou, truc de base, quoi. Ouais. C'est assez compliqué à lire. Ouais. Ah, tu peux mettre XML, quoi. Tu peux même demander à Pester de faire cette sortie sur un format particulier qui va être interprétable par des softs, par des pipelines, notamment Azure DevOps. Ouais, je crois que tu as juste besoin de mettre le dash CI/CD d'ailleurs. C'est built-in, il te le met le format. Et en justement gros. Justement, les GitLab et compagnie. Merde, je vois pas le. Avec Flux, faut que je passe sur. Donc je sors du in-private. Oh non. Ah non, c'est CI. C'est ça, CI. Désolé, c'est un peu lent. Là, par exemple, ici, directement sous GitHub, tu as une intégration avec Azure Pipeline. Donc, tu as les tests unitaires qui sont exécutés dans Azure Pipeline, où tu peux aller voir les détails. Run unit test. Et là, tu as tous les tests unitaires que tu as écrits qui sont exécutés. Et tu as même ce qu'ils appellent le code coverage pour savoir quel niveau, enfin quelle étendue de code tu as testé avec tes tests unitaires. Et là, ça répond à la question d'Antoine, du coup. C'est pas obligé de tout tester. En fait, le problème, ça n'a rien à voir avec la criticité de l'environnement comme tu penses. C'est que c'est juste de vérifier que ta fonction, elle fonctionne toujours dans tous les cas, quoi. C'est ça. Que ton environnement soit critique ou pas, le mieux, c'est quand même d'avoir le maximum de code coverage, quoi. On va expliquer ce que ça veut dire, le code coverage. Ça veut dire que, en gros, dans une fonction, tu as un nombre de lignes. Et l'objectif, c'est de voir si tu. Enfin, si je me trompe, enfin, reprenez-moi si je dis des conneries. Hein. Mais c'est de tester le maximum de lignes possible dans ta fonction, quoi. Ouais. Oh ouais, en c'est gros, ça. C'est il faut que tes tests Pester passent sur chacune des lignes de ta fonction. Et en d'où fait, les mocks aussi. Le mock, ça augmente le code coverage, quoi. Faut que chaque ligne soit testée, quoi. Ouais. De toute façon, c'est le but final de ça, c'est le fait d'amener de la confiance et justement réussir à récupérer du feedback loop le plus rapidement possible pour pouvoir justement essayer que ça pipeline se casse le plus tôt possible, quoi. Enfin, encore une fois, c'est comme ça que moi je l'interprète, quoi. Alors Sonar, il y a un truc pour PowerShell, mais en fait c'est que du. C'est que comment ça s'appelle C'est exactement ça, Yann. Merde. Si tu veux, je t'écoute. Comment il s'appelle le truc là? C'est du PS Script Analyzer. Donc en fait, tu as les règles de base de PS Script Analyzer et basta, je crois. Et après, tu peux créer tes propres règles, mais je crois que ça va surtout tester le. Enfin, le peu que j'avais vu sur Sonar, c'était ça, quoi. Pour PowerShell, c'était ça, quoi. Il faisait du PS Script Analyzer. Qui s'assure que tu as bien écrit ton where en where-object. Ouais. Bah c'est par défaut maintenant sous VS Code. Ouais. L'extension PowerShell te l'installe automatiquement. Ouais. Juste, tu vois, pour le code coverage, par exemple, sur Sampler, c'est 80% par défaut. Il a mis la barre haute, Gaël, quand même. Hein. Bah, je te dirais bien que l'idée, c'est que quand tu codes quelque chose, tu écris tes test testers et ensuite tu écris ta fonction. Ça, c'est dans le monde dans la réalité, dans le monde des bisounours. Dans la réalité, t'écris 25 fonctions et puis après tu reviens sur la première, tu dis putain qu'est-ce que je voulais faire. Exact. j'ai regardé plein de vidéos sur le TDD, ça vend du rêve, mais en pratique c'est pas évident. Bah quand t'as pas la formation de développeur, c'est vraiment pas inné, je dirais. Mais c'est pareil, parce que dans les vidéos que j'avais vues, ils parlaient justement aussi de granularité. Ils disaient faut vraiment commencer par des tests génériques et après rentrer dans le détail du test, pas faire tout de suite des tests qui testent un petit truc en particulier. Et quand tu n'as pas la vision forcément de la fonction que tu fais, en général, tu as tendance à vouloir tester tout de suite le petit détail, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Après, si tu fais des fonctions qui sont petites, t'as pas besoin de tester énormément de choses. Ah oui, bah c'est ce que disait Yann après le fait que ce soit atomique, comme tu disais, c'est vraiment un des critères de base quand tu commences à développer des modules, des choses comme ça. Ouais. Et je le fais même dans les scripts.
Et je fais même des test testers sur des fonctions de script. Pour ça, j'utilise l'AST. C'est-à-dire que je vais oui. aller checker le script, je vais aller extraire toutes les fonctions, et ensuite, je vais pouvoir run mes test testers dessus. Ouais, après, bon, je connais pas Sonar et je fais pas le Java et le C#, donc... Après, si je ne me trompe pas, tu peux écrire un test tester qui se base sur PScript Analyzer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le test tester PScript Analyzer détecte trop de trucs dans ton script, bah, le test tester échoue et du coup, ça te remonte l'information. Bon, je crois qu'il y a un truc comme ça sous. Je pense qu'on a fait un beau tour là. Ça a duré bien plus longtemps que c'était prévu. Tu crois? En général, on fait une heure quand même. Là, ça fait 1h45, 1h50. Ouais, mais je parle beaucoup. Non, mais c'était super intéressant. Surtout. Ça fait deux jours que je suis rodé là, parce que je suis à 2 jours de formation, j'ai la dernière journée demain là. Ah, va te reposer ta langue alors. Ouais, ah, bah, merci, c'était cool. Hein. Merci, Nico. Ouais, moi j'ai appris plein de trucs, c'était super sympa. De rien. En espérant que ouais, ça vous ait plu, que vous ayez appris des choses. Ah ouais, c'est super. J'ai compris le concept déjà. Après, dans la pratique, on en reparlera, mais le concept, c'est bon. Ça viendra, ça viendra. Allez, bon, allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée à tous, merci d'être venus. Ouais, bonne soirée tout le monde. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Et si vous avez des questions, venez sur le Discord.